À la salle de bain, j'ai entendu mes toilettes en fait couler continuellement au niveau de la chasse. Merde! Au tout début, je me disais, tiens, il pleut vachement pour un jour de l'an, c'est triste ou net. Ça flotte, avant que je me rende compte que non, c'est ma tuyauterie. J'ai quelque chose. Alors, ce qui fait un peu peur, c'est que j'ai pas compris quoi exactement qu'a lâché durant la nuit. Et j'ai un robinet juste avant mes toilettes, sous les toilettes, que j'ai verrouillé. Voilà, c'est bien, un petit Seb lance de son côté aussi. Et donc j'ai stoppé l'hémorragie, on va dire, d'eau qui coule. C'est sinon bonjour à la facture d'eau. Je l'ai fortement freiné sans vraiment l'arrêter. Mais c'est peut-être pas plus mal, parce que j'ai peut-être un problème de pression qui m'échappe. Et si j'avais complètement coupé, ça pourrait peut-être péter quelque part pour de bon. Donc je vais passer mon jour de l'an comme ça, et puis. Je vois qu'il y a eu des farces durant la nuit. J'ai un peu peur de remonter mon chat du mode nocturne là. Déjà, je vais retrouver Petit Seb, qui a la gentillesse. Je me demande s'il a pas mis le réveil pour 9h. Où est qu'il est, Petit Seb? Oh, puis il n'y a pas que Petit Seb. Il soupçonne. Oula. Il y a un H aussi. Bonjour tout le monde. Attention, vous êtes sur mon direct du coup, mais je viens vous saluer. Oui, t'es Meilleurs sur le mien vœux. aussi, hein. Merci. Oui, bonne année, meilleurs vœux les copains. Merde, je rentre en double. Bonne Je. année, meilleurs vœux, bonne santé, bonne. Merci à tous, tout va bien. Oui, Voilà. oui, 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 oui. Oui, merci à toi aussi. Twinsen, je dis Twinsen parce qu'il me le dit dans le chat. Oui, je commence fort, moi, avec un souci de tuyauterie. J'ai tiqué ce matin en me réveillant. Je me disais, tiens, oui. Bah, vous avez dû m'entendre si vous écoutez mon direct, non? Je sais pas, dans la Énormément. vocale. Non, non, parce que j'ai pas mis le son, parce que comme je stream aussi et que tu Ah allais me bah oui. rejoindre, mais moi je connais l'histoire, c'est bon. Ouais. Bah les chiottes qui ont commencé à couler continuellement quand je suis allé faire ma toilette du matin. Je croyais que c'était la pluie au début. Je dis tiens, c'est triste un jour de l'an. Puis je me suis rendu compte que c'était ma tuyauterie qui partait en roue libre. Et j'ai dit merde, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les chiottes le jour de l'an? Donc, il a trop fait la fatigue, elle a bouffé les chiottes. Va bien, va bien. Va bien. Ouais. La fille de la cuvette. Bonjour Christella, oui merci, bonne année à toi aussi. Oh, tu ne sais de Covid à tous, quelle horreur, mon Dieu. Bref, j'ai perdu 1 heure, c'est dommage, j'aurais pu prendre mon direct à 9h comme je l'avais programmé, je m'étais réveillé naturellement parce que je connais mon rythme biologique. Et en fait, j'ai passé 1 heure à faire de la 1 heure, 1 heure et demie à faire de la tuyauterie improvisée, quoi. Enfin, tuyauterie. J'ai un peu épongé, j'ai longuement observé mon système de tuyauterie, à me dire merde, mais il est où le robinet? Il y a forcément un robinet à l'arrivée des chiottes. Et en fait, il est en dessous, faire un nouveau contorsionniste avec la main. Donc, bonjour de matin, ça fait plaisir. Mais bon, ça, je devrais passer la journée sans encombre. Je reprendrai à midi pour voir si tout est stable. Je reste confiant, mais je ne comprends pas le comment du pourquoi durant cette nuit. J'ai mes toilettes qui sont passées en mode cascade. Alors là, j'ai pas compris. J'espère que ça cache pas un autre truc plus grave que j'ai pas vu. Donc, faudra que je surveille. Bon, bref, on est là pour se détendre. Oui, merci, meilleurs vœux à vous toutes et toutes, hein. Je commence très fort. Pardonnez-moi d'être aussi, on va dire, chamboulé. Oui, je suis en emote on lit. Oui. Oui, c'est bizarre d'ailleurs. Pourquoi je vois le texte C'est ce dans que le j'allais dire. chatty? Parce que j'arrive à vous lire dans le chatty, mon Mais logiciel c'est de. les VIP qui doivent arriver à écrire, malgré le Ah! emote D'accord. Bon, bah, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Oui, je vais remettre en ordre. Vous inquiétez pas. Puis je vais remettre les annonces Wisebot normales. Je vais remettre le son aussi. Parce que. Ah, bah, tiens, si je le fais rapidement, vous allez peut-être entendre la nouvelle horloge de l'année. J'ai une nouvelle horloge. C'est plus les carillons. Je vais vous laisser découvrir. J'écoute ça.
Alors attendez, c'est où dans la modération pour que je retrouve comme hier soir? Non, c'est pas ça. C'est ça. Ouais. Ok. Oula, 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 j'ai fait un double clic malgré moi. Voilà. C'est sympa pour le passement d'heure. Un petit air de piano, tout léger. Re coucou, oui, re coucou, Rémi Kao, bonne année, meilleurs vœux. Voilà, du coup, c'est bête. J'aurais été beaucoup plus joyeux si j'avais pas eu mon incident domestique. Alors que là, j'ai eu un coup d'adrénaline pas souhaité. Dur. Voilà. Oui, pas de stress. Oh là là. Alors, attends, merci toi aussi. Urgemment, je dis bonne année à Lord Gizmo, ce que je salue, parce que le pauvre, quand j'ai manipulé hier soir, au moment où je veux faire la bascule, seulement émoticône, je l'ai maladroitement banni. J'ai eu un clic malheureux. Je l'ai débanni dans la seconde suivante, mais après, je lui ai envoyé un petit message privé en disant, excuse-moi, une boulette de ma part. Les jouets d'être diffuseur. Non, ce que j'ai eu, c'est que j'ai eu des toilettes qu'on fuit au matin. Quand je suis allé faire ma toilette dans ma salle de bain, j'avais les toilettes qui, la chasse coulait continuellement. Alors que j'avais rien hier soir. Ou du moins, je crois pas, parce que avec les détonations de la fête, j'ai pas dû entendre s'il y avait un début de fuite. J'ai trouvé le robinet pour calmer l'hémorragie sans toutefois la couper complètement. Au lieu que ça fasse un robinet bien ouvert, ça fait plus qu'un puic, puic, puic. Ça va bien réduire la facture d'eau déjà. Donc, je vais me satisfaire de ça pour le jour de l'an. Ah, ça m'a fichu en stress. Il ne faut pas grand-chose pour que. Ah, surtout dans les domaines que je maîtrise pas. Je suis pas, j'ai appris à bricoler ces dernières années, et dur, dur. Enfin bref. Alors mon interface semble normale. C'est la première fois que je fais des 24 heures de Twitch. Ça fait bizarre. On va peut-être pouvoir se lancer dans Spend Lucky et rigoler. Alors c'est bien, on est dans la vocale Minecraft, ce qui est pas conventionnel. Qu'est-ce qu'on Parce que fait? j'étais venu parler à Nash Oui, tu fais bien. pendant que je t'attendais. Tu fais bien. Et là, du coup, je suis tranquillement en train de faire le didacticiel du jeu. Ah, tu Histoire n'y avais jamais de... joué, je crois. Oui. Ah non, j'ai jamais joué. Je l'ai installé hier et je l'ai lancé pour la première fois hier juste pour le... D'accord. Attends, je revois un coup, ça m'a donné soif, ces histoires. Ah, je commence bien l'année, moi. Encore que ça aurait pu être pire, mais Ouais, inquiétant. t'aurais pu te réveiller les pieds dans l'eau. Oui. Ah ouais, non, mais alors là, ça aurait été la cata. Là, à mon avis, j'aurais annulé le direct. J'aurais dit désolé, mais. Ou alors Ah, j'aurais tu remis m'étonnes. bêtement en boucle, en vous expliquant, je peux pas prendre mon antenne aujourd'hui, vous avez ça en compensation. Mais non, ça va. Parlons pas du pire-pire, mais. C'est bizarre. Puis c'est tout un symbole. La nuit du 31 au jour de l'an. Je suis pas superstitieux en soi, mais la symbolique est assez troublante. J'espère que c'est pas annonciateur d'une année 2024 catastrophique. Ça fout les chocottes. Mon Dieu, mon Dieu. Les pics dans Spelunky, on peut passer à travers si on est au sol. Non, les pics, ils sont mortels. C'est la fin de la partie. Tu ne vas surtout pas t'empaler façon Lara Croft. Dès que tu t'empales, toutes tes vies sont soustraites et partie terminée. T'es mort de chez mort. C'est une mort violente, comme on dit ça, une mort subite. Alors moi, ce que je te proposerais sans offense, Nash, c'est pas que je vais te laisser tout seul, mais à moins que tu nous rejoignes dans le direct Twitch, je pourrais l'accepter, mais la logique voudrait qu'on bascule dans la direct Twitch, petit Seb et moi. Pas de soucis, je jouais tranquillement ce matin, il n'y avait personne encore. Merci pour ton coucou, Christella. Mais moi, ça me dérange pas. Bah c'est Il n'y enfin a pas de soucis, hein, oui. j'aime bien quand les trucs sont dans les bonnes cases. L'aide dans le Minecraft. Alors certes, il n'y a pas de salon Spell Lucky, mais oh, comme vous voulez. Mais le problème, c'est que si vous voulez vous parler en train de jouer à Minecraft, ça va faire des heures sur le direct.
Ah mais moi je suis pas, enfin, Oui, il n'y a dis-moi. que moi qui joue, hein, Oui, mais pour le je moment, parle s'il y en a plus. d'autres qui te rejoignent. Ah, oui. Ou alors je ferai la bascule en cours de route. Bon, allez, on va faire comme ça Oui, pour le mais moment. si y en a d'autres qui rejoignent sur Minecraft, ils pourront, Ouais. enfin, nous on pourra se décaler. Ouais. On va faire comme ça. Mortadelle, Mordor. Ouais, t'es en forme, Rémi. Qu'est-ce qu'il y a, une scène? Ah. Oh, je ne te lirai pas de vive voix. Oui, c'est pas faux. C'est vrai, une scène, ça fait annonce de supermarché, là. J'y avais pas pensé, mais ouais. Mais je trouvais ça sympa. Le son me plaisait bien. J'essaie encore de... Voilà, que la pression disparaisse. Ah, j'ai eu mon effet adrénaline du matin. Dur. Dur, dur, dur. Bon, c'est pas grave, on démarre avec une petite heure de retard. Non. Ah oui, il y a la qualité du son qui est pas très bonne sur la vocale Minecraft. Ouais, c'est... Oui, je crois que j'ai réduit le débit, je sais plus pourquoi. J'avais un intérêt technique à le faire. Ah, par exemple pour les petites configurations. Si, si, si. Entre autres. Entre autres, entre autres. Et puis j'avais prévu le coup de si vous passez de la vidéo entre vous, entre VIP, ça bouffe de la bande passante. Donc si on est nombreux, pour moi c'est un jeu populaire, ça risque de faire saturer et de faire condamner tout le monde dans les... Allez, on va lancer Spell Lucky, on y croit. Si vous voulez changer, vous pouvez changer, non? Alors, Mais t'as faut quand fini même. le tuto, petit Seb? Non, je suis toujours dessus, mais Ok. Non, mais essaye de continuer, essaye de continuer. Moi, je peux bavarder un petit peu, ça me permet de... par Bah, contre, tiens, ce que j'ai j'ai... remarqué, c'est Oui. que le jeu, en fait, il n'est pas coop en ligne. Ah bon? Il est coop local ou en remote play, grâce à Steam. Donc en remote play, on peut le très bien le faire sans problème. Ok, alors j'ai jamais fait, alors là pour le coup ça va être... C'est pas très compliqué. D'accord. Il faudra que je découvre moi aussi. Attendez, je regarde, je préfère regarder, je remonte un peu le chat quand j'étais en train de dormir. Si je vais pas découvrir des âneries. J'ai l'historique de la nuit. Ah bah je Dis-moi, suis mort. c'est bon enfant. Ah, didacticiel final. Non, c'est là que je l'ai. Mais ça va être chiant. Non, mon joyau! Voilà, je le prends quand même. Hé hé, le mec qui Oh se suicide juste putain. pour un joyau. Oui, le pauvre Logismos, il a vu que je l'ai banni accidentellement vers 1 h du matin. Ouais, merci la modération, vous avez super bien géré, merci. Bah, Torota s'est bien gavé à rester le plus tard possible. Mais il était surtout pas du tout obligé en fait, faut pas qu'il se décale à mort non plus. Ouais, non, non, mais je pense qu'il avait envie, donc il l'a fait. Ah, Dragon Sky qui a vu à 1 h du mat que j'en étais à 24 heures. C'est un plaisir pour la compile de clips, j'ai adoré. Ah bah c'est bien, je suis ravi que ça vous plaise. Il y en a qui m'ont dit re comme Cocosi à 2 h du mat. Non, je faisais dodo. C'est bien, ton retard bien annoncé. Ah, je découvre avec vous ce qui s'est passé durant la nuit. Ouais, c'est bien. Ouais, bien. Bien, bien, bien. Vous avez bien bossé, merci. Génial. Classe. Classe, classe, classe.
Si tu veux des papillons dans le ventre, suffit de mettre une chenille dans tes... Oh, mais ça va pas, tu une scène. Mais tu une scène! Oh là là, tu décuves de ton 31 là, c'est pas possible. T'es en mode roue libre. Bon, allez. Alors le Spend Lucky est le coup du jeu à distance. Il faut d'abord lancer le jeu, on est d'accord? Oui. On est d'accord. Merci petit Seb. Allez, on va essayer. Je vais découvrir avec vous. Je vais vous mettre le bon plan de caméra et on va se lancer. Allez, go, go, go. Ah, vous de Dieu. Bon, le chien, il est passé où? Alors là, j'ai la manette de jeu. J'ai tué le serpent en lançant le chien dessus. Oui, alors attention, quand tu fais ça, la blonde, qui peut être un chien, un beau gosse ou une belle blonde, il est pas immortel. Je crois que tu le fais trois fois, la troisième fois il est mort. Ah bah là il vient de sauter dans les pics donc il est Ah mort. bah là il est, oui, ah, c'est foutu. Si tu l'as empalé, c'est foutu. Ah c'est pas moi, il s'est empalé tout seul. Hein. D'accord. Ah oui, il faut faire attention quand il court tout. Oui, s'il détale dans le tableau, dans le niveau, ouais. S'il fait une chute mortelle, ça craint, tu perds la vie bonus. Terminé le didacticiel. Ah, Ouais. la nervosité des détonations à minuit, là, évidemment, j'ai entendu, mais j'étais déjà en train de dormir à moitié. Et le réveil avec ça. Oh là 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 là. Ah, dire que demain c'est une journée normale, ça va être dur, je ne vais même pas y penser. Plus journée normale, c'était bien. Oh, je ne sais plus. Ah là là. Total de mort, une. Non, c'est faux, j'ai quitté la partie, c'est pas une mort. Je suis pas d'accord. D'ailleurs, Spell Lucky qui m'a arnaqué. Il m'a refusé l'achat de l'entraînement dans les cavernes de glace que j'avais atteintes. Alors, je suis dans le menu du jeu. Ah non, je crois savoir à quel moment on va mettre le jouer ensemble. C'est quand on choisit les personnages. Oui, c'est à ce moment-là. Je pense que je vais te rejoindre sur ta partie parce que moi, la mienne, elle est pas du tout. Enfin, Marc, ça change sûrement rien. Bah, moi, j'ai les bonus, si. Moi, j'ai débloqué plein de persos. Tu vas pouvoir en choisir plein. Alors que toi, tu les as pas déverrouillés. Il y a juste un truc de verrouillé et c'est ma... j'ai un cadenas avec 16. Ça veut dire qu'il faut quoi? Que je fasse 16 parties. C'est qu'il y a 16 persos à déverrouiller. Ils sont tous différents, les persos? Oui. Oui. Ouais. Bah écoute, une fois que t'es dans ce menu-là, il faut que tu fasses Shift Tab pour ouvrir le L'interface, menu, ouais. l'interface Steam. Tu me trouves, tu fais un clic droit sur mon nom et tu fais Remote Play Together normalement. D'accord. Ok. Ça va te lancer une fenêtre où je vais pouvoir rejoindre. Ouais, il va falloir peut-être que tu te déclares en ligne. Ah non, Ah, même pas. bah. Même pas besoin. Erreur. Impossible d'envoyer l'invitation. Oui, parce que je suis Remote pas en play ligne. est désactivé dans les paramètres. Ah merde. Ah. T'as Attends, att désactivé attends, ton attends, remote play sur attends, Steam. attends, attends. Peut-être. Attends. Je veux être sûr maintenant que tu es disponible en ligne de voir comment il réagit. Ah oui, merde, j'ai désactivé dans les paramètres. Alors, paramètres. Alors, attendez, Ben je vais. voilà, je le savais, il veut pas jouer avec moi. Non, mais en fait, c'est la première fois que je le fais, donc. Non, mais je m'en doute. Alors, attendez. Ouais, c'est un peu gênant, je vais remettre ma webcam, on sait jamais, parce que j'ai une info confidentielle, un code de machin, l'identification qui apparaissait à l'écran. Je me permets d'en remettre ma tronche. Alors, où est-ce qu'on réactive le Play Together? Je On sais va pas y moi si aller, tu on va peux y aller. l'activer, que sache, mais je peux regarder. Non, non, je lis bêtement les intitulés, je vais obligatoirement tomber dessus. Ça doit être dans les paramètres de Steam, hein, de toute Oui, façon. je suis en train de regarder dans la rubrique contact et chat. Non, bah dans les paramètres Steam, tu as.
si tu cliques sur Steam tout en haut, tu cliques sur paramètres, tu as une fenêtre et dans le menu sur la gauche, tu as Remote Play et tu as juste un bouton à appuyer pour l'activer ou le désactiver. Ah, alors on n'a pas la même interface. Mais tu veux dire que c'est le menu entier de Steam, c'est pas la fenêtre en surimpression, c'est ça? C'est ça. D'accord, c'est ça, c'est ça. D'accord, d'accord. Moi je suis allé sur Steam lui-même. D'accord. Pour alors, le faire. Attends, je vais aller sur Steam lui-même. Dans Steam. Alors, ouais, tu m'as dit. Bah, normalement, t'as les onglets magasin, bibliothèque, etc. là-haut. Oui. Et au-dessus encore, tu as Steam affiché contact. Tu cliques sur Steam. Sur Steam. Tu cliques sur paramètres. Paramètres. Ça t'ouvre une fenêtre et dans l'onglet déroulant sur la gauche, tu as Remote Play. Ah, bien vu. Ah oui, j'avais dit. Et là, tu actives. D'accord. Associer le boîtier. Mais non, j'ai pas le boîtier Steam Link. Autoriser la connexion directe, un partage. Oui, je vais l'autoriser. Allez. Option, c'est de l'eau pour les autres personnes. Moi, c'est la seule. Moi, je l'ai activé que le premier, hein. Le reste, j'ai pas activé. D'accord, c'est bien. Bon, ça devrait passer, j'ai la chance d'avoir la fibre. Donc, ça devrait passer. Ça devrait passer. Alors, attendez. Si je reviens dans le jeu. Si je sais pas si je le dis, mais merci, Christella, de passer sur mon chat aussi. Vous avez invité petit Seb. Alors normalement tu devrais pouvoir me rejoindre. Moi je devrais pouvoir vous remettre la fenêtre. Je vais essayer de vous regarder dans le chat et vous suivre. Après je sais pas comment ça marche. Le jour 1 ça va être moi. Ah oui, j'ai un joueur 2. Bien. Waouh. Je sais pas pourquoi j'ai un drapeau. Mais... Ah oui, c'est bien. T'as mes persos déverrouillés. Je vais prendre l'anglais avec les chiens. Ouais, t'en as encore 10 à déverrouiller. Ouais, c'est magique. Ah, tu veux l'anglais avec les chapeaux. Attends, je prends... Il y a Monsieur Nounours. Oui, il y a le vitre. Non, tu choisis ce que tu veux. Tu choisis ce que tu veux. Tiens, on dirait un livreur, mais on dirait un plombier aussi. Donc ça me va très bien pour aujourd'hui. Monsieur le plombier, il est coincé dans les mines, c'est pour ça qu'il ne peut pas me sauver le jour de l'an. C'est pour ça, j'ai pris le viking, moi. Y'a pas de calme. Allez, c'est parti. Alors par contre, si j'ai fait un bonjour, truc... Bonjour, Dorota. Bonjour, Cinéane. Bonjour, tout le monde. Oh là, j'ai mal vu. Y'en a qui sont arrivés sur mon antenne. Bonjour, Cinéane. Bonjour, Dorota. Pas assez dormi. Oui, j'ai vu que t'as coupé à 3h du mat, mon dieu. Mais merci, bisous, je vous souhaite le meilleur, hein, meilleur vœu. Je vais encore me répéter ce soir, je vous présenterai mes vœux. Pourquoi je porte la bannière, moi? C'est bizarre. Bon, bah, si quand t'es prêt, petit Seb. Ah, attends. Oui, tu règles des trucs. Non, j'ai quitté mon jeu pour. Ah, alors j'ai eu l'arrêt du streaming de petit Seb, je sais pas pourquoi. Ah, merde. Je peux me renvoyer l'invitation? Ok. On y retourne. C'est ça pour le. Effectivement, oui, dès qu'il y a une perturbation, ça. Ah bah non, c'est parce que j'ai voulu. Oui. C'est parce que j'ai voulu fermer mon jeu pour économiser et du coup. Ouais, ça casse le truc. Ouais. Et puis surtout sur le stream, il va sûrement falloir que je stream. Bah merde. Ah oui, j'allais dire, je te vois plus. Ton écran... Ouais, je dois être dans les... dans les noms en ligne. Non mais c'est bon, c'est bon, c'est bon. On va y arriver, on va y arriver. Ouais. Oui, c'est bon, je suis là. Alors, attends. J'arrive pas à stream ta fenêtre. Ah merde. Attends, moi je vais aller voir les escroqueries. Normalement j'ai toujours pas les cavernes de glace. Ouais non, j'ai de la jungle. C'est honteux. Alors que j'avais déverrouillé les...
Vous avez été témoin en direct une séance précédente, j'avais déverrouillé les cavernes de glace. C'est bon. Coucou Torota. Ah oui, bonjour Torota. Ah, j'ai oublié de remettre mes annonces normales. Il va y avoir encore le coup de c'est la promenade. Attendez, tant que tu fais tes réglages, moi il faut que je retrouve mon Westbot rapidement. Moi c'est bon, c'est quand C'est bien. Attendez. Citation célèbre, le saviez-vous, et les informations diverses de Twitch. Voilà, j'ai remis les bonnes annonces pour le chat normal. On y croit. Je vais y arriver. Voilà, il est déchaîné, Westbot. Bloom, 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 ça y est, balance. Hop. Tac. Voilà. C'est merveilleux. Tiens, je me choisis une voiture. Bon, je fais n'importe quoi. Allez, reprendre le jeu, on y croit. Alors, où es-tu parti? Tu es parti là. Il faut aller par la grande porte. La grande porte. Ça. La grande porte. Pourquoi j'ai plus aucun son? Allô? Comment ça, t'as plus de son? Petit Seb! Tu m'entends? J'entends plus rien. C'est pas normal. Est-ce que j'ai encore Discord qui déconne? Ah, peut-être. Faudrait regarder sur Down Detector. Bonjour Bastos, merci meilleur vœu. J'espère que tu vas bien. Bonne année. Est-ce que sur mon... Pour ceux qui sont sur mon Steam, est-ce que le son est pas trop fort du jeu? Ok, c'est bon. Nickel, t'es un chef. Par contre, la vue est centrée sur ton perso, quoi. Ah merde. Mais c'est normal, hein. Ah merde, ah ouais. Eh oui, c'est pas géré par le jeu. Ah, ça va être chaud. Si tu dois me suivre, fidèle comme une ombre, ça va être très sport. Alors, c'est dégueulasse. Allez, je sais que t'aimes ça, le sage, allez. Ah, c'est bon, j'arrête. Ah, l'or est pour moi. Ah, alors, attention. Ouais, elle est trop haute. Attends, faut la provoquer. Hop là, dans la chute, et tu l'étires dessus. Très bien. Moi, je la provoque comme ça. Allez. Oh là là, il est fou. Je suis chaud, j'ai fait le tuto. Oui, je vois ça. C'est... Très bien. Attention, la vilaine. Ouais, bien joué. Ouais, merde, je m'as pas laissé piquer la thune. Elle est commune la thune, donc c'est bien. Y'a pas de jaloux. Faudra qu'on se mette d'accord d'ailleurs sur les. Alors je crois que tout est partagé d'ailleurs, mais on se mettra d'accord sur les achats dès qu'on a un vendeur. Bien. Oui, je joue comme un pro, petit Seb. Bravo. Oh là là. Ah oui, le saut projeté, je sais même plus comment on le fait. Faut juste courir. Ouais. Tu vas aller par là. Message de Torota 77. Raft le retour, mais avec l'amélioration /GGPTITSB. Donc on avait sauvé le chien ici. Ouais, la blonde, attends. Comme j'aime les pieds. Hop là. Envoie la blonde. Alors, quand tu déposes la blonde, fais attention de bien la déposer dans le bon sens. Quand tu sais qu'elle va faire sa course à gauche ou à droite. Alors, il y a peut-être des trésors bonus. Le fantôme arrive à 2 minutes et demie. Non, dangereux. Oh là. Ah, désolé. Il y avait un truc, c'était je sais pas ce oui, que c'était. Oui, c'était une araignée. Non, ça vaut pas le coup. Attends. Moi, je sais. Pourquoi? Ah, okay. Enfin, tu me diras, j'ai plus de bons que toi. Ah, je crois que c'était partagé. Non, bah, attends, c'est bizarre. Non, on doit avoir chacun son stuff. Par contre, l'argent, oui, est partagé. Oui, l'argent. Non, mais c'est pas ça. En fait, j'ai essayé depuis le bloc qui était au-dessus d'atteindre le haut là. Ah non. Sinon, tu fais usage d'une corde, mais là, c'est pas justifié. Faut les rentabiliser, les cordes. Faut qu'il y ait beaucoup de caisses de matos, qu'il y ait la blonde ou un artefact spécial qui justifie le fait de. Ouais. Ah oui, alors. Bien dit, Bastos. Merci pour les clips. Ah.
Ah, y a rien là. Éventuellement, on peut prendre la pierre, tu sais, pour déclencher un piège. C'est... Ah, c'est bien. Ouais. Et c'est que la toile... Ah oui, c'est à force de passer dedans qu'elle disparaît. En fait. Oui, oui, oui. À l'usure de passage, elle est brisée. Mais elle a ses avantages, la toile d'araignée. Là. Merci. Oups. Et si tu balances le caillou sur le... Non, mais en fait, je le lançais plus haut pendant que... Et tout de suite. Ah, attention, t'as fait une forte chute. Il faut bien regarder où est-ce que tu mets les pieds, petit Seb. Ah, attention, marchand. Je serai toi, on s'achète le gros paquet. Ok. Merci. C'est pas un cadeau là. C'est quoi ce délire? Attends. C'est celui qui consomme le truc qui a les bons? Tiens, vas-y voir. Ah oui. C'est peut-être parce que c'est la période de Noël, je sais pas. Ah non, on partage pas les... Ouais, le matos. On partage que la thune. Ok, bon, c'est une machine de jeu que je connaissais pas. Alors attention quand tu pètes les jarres au fouet. Parce que si t'as une cochonnerie dedans, elle va te sauter dessus. Un serpent, une araignée. Ouais, ça m'est arrivé tout à l'heure. Il vaut mieux lancer les jarres dans le vide. Alors ça, c'est chier. T'as... Oui, petit saut, parce que... Barre-toi. Tant pis pour les... Et si la chauve-souris passe devant, ça tire pas la flèche? Oui, mais le problème c'est que vu que c'est trop proche de toi, la flèche, tu te le serais mangé dans la tronche et t'aurais perdu une vie. Mais non. Elle fait des rebonds de fou. C'est... Moi je suis peureux là-dessus. Bon là on a plus de thunes. Je sais pas si. Je sais pas si la colle vaut le coup. Non. Alors attends, en bas là ça a l'air périlleux. Ouais, vaut mieux descendre par le côté, c'est ça. Exactement. Comment tu fais pour décrocher là? Hop, une chauve-souris en moins. Oh, t'as lancé le bon. C'était pas ça. Ou alors il y avait une bombe dans la jarre. Non, c'est moi. D'accord. Je me suis trompé, regarde, j'ai plus qu'une bombe. D'accord. Alors attention, faut descendre par là. Ouais, heureusement que les pics sont. Mais en fait, tu pourrais m'attendre. Ah oui, tu vois plus le camp, oui, c'est vrai, excuse-moi. Ah merde! C'est toi qui joue. Je suis mort. C'est moche. Ah, c'est bien, ça me permet de me relaxer pendant que t'as encore 3 vies. Ah, voilà, débrouille-toi. Non. C'est bon, je t'utilise pour tuer les mobs. Bah, est-ce que je peux faire ça, là? Ah oui, je peux te suivre en fantôme. Je vais te hanter, petit Seb. C'est bon, je suis mort aussi. Mais elles sont intuables, ces grosses araignées, non? Elles sont balèzes, ouais, les araignées. Je sais pas, je l'ai frappé 5 ou 6 fois. Ouais. Le mieux, c'est de lui balancer une bombe. Une bombe, elle va gicler, mais elle donne beaucoup de trucs. Elle donne un pot de colle, elle donne des joyaux. Mais c'est un mini-boss, là. Non, plutôt que c'est un boss, là. Petit, mais un boss, là. La grosse migale. Attention piège. Voilà. Ah, j'ai trouvé la blonde. Attention, pardon, désolé, merde. Oui. Effectivement, on a trouvé la blonde. On peut continuer dans là. Les tuyaux. Ah, attends, la sortie est par où? Parce que. Mais viens ramasser là, tu. Oui, excuse-moi. Oui, je voulais voir si je lâche la blonde, mais on va la laisser là en attendant. Je voulais voir l'aboutissement du chemin. Parfaitement dans le trou. Ça vaut le coup de mettre une bombe là pour aller en haut. Hop, Ah merde, tu me suis plus. Merde, t'es perdu. Non, c'est bon. Mais en fait, ce que je regardais, c'est que de mon côté, c'était intéressant d'y aller aussi. Ah bah, on va venir après. Fouette le coffre simple. Le coffre simple, tu peux le fouetter. Ah, je crois que tu vas faire des sauts plus grands avec ce que t'as ramassé. Oui, c'est le délire, Bastos. On va bien rigoler. C'est vrai qu'à plusieurs, c'est bizarre ce modiqué. Je suis pas du tout habitué. Attends. Du coup, pas besoin d'utiliser de corne, mais c'est moi qui m'en occupe. Ah, GG, comment t'as fait? Bah, grâce au saut. Ah oui, c'est vrai, t'as les godasses. C'est vrai, pardon. Merde. Tu peux venir sauter en haut, là, pour que ça me monte la vue. Ou si tu regardes vers le haut, si tu appuies juste ta flèche vers le haut. Voilà, merci. Ah, je t'en prie. Bien vu, t'es un chef.
Bon, j'ai oublié ma pierre, mais c'est pas grave. Oui, il y en a une, on a... Ouais, on la retrouve en bas. Attends, t'as envie, y a une on prend la blonde ou pas? Je prends la blonde. Je gère le caillou, je gère la blonde. C'est génial. J'aime beaucoup m'organiser à plusieurs sous ce panneau qui... C'est un beau bazar. Yeah, bien. Ça va, des bombes. Alors, là, je vais descendre. Où le vilain? Merde, j'ai loupé. Tu l'as pas loupé, bravo. Aïe! Merde. Ah, faut pas qu'elle s'enfuit. Si elle tombe dans un pic, elle est mouille, la madame. Attends. Emmène-la à la sortie. Ouais, on est d'accord. Oh oh. J'ai fouetté la chauve-souris. Ah, bah c'est bien, on a une assurance vie, un caillou pour partir dans le niveau suivant après. Ouh. Attention, le fantôme arrive. On se barre. Bah oh non! Oui, c'est ça le drapeau blanc, je suis le porte-étendard. Et c'est moi qui ai la... C'est le capitaine des mines. C'est ça. Bien, bien, bien. Oh, c'est génial. Ah, j'aime beaucoup en multi, ça change la dynamique. C'est troublant, mais c'est drôle. Ah, le réflexe au millième de seconde près. La thune, la c'est thune. Ça. Génial. C'est bon ça. Attention piège. Je sais pas si c'est la bonne distance. Non, c'est pas la bonne distance. Ah. Oh la vache. Oh oh. Est-ce qu'on aurait pas mieux fait de mettre une bombe ici là, genre? Essaye, bonne idée. Bon. Merci. Putain mais c'est pas possible. Confisqué. Ouais, bien. Ah, je m'en fous, j'ai la flèche. Waouh, il m'a fait peur. Aïe, merde. Il n'y en a pas un pour récupérer l'autre. Ah oh, mon dieu, on est les Laurel et Hardy de Spell Lucky. Laisse tomber. Oh le bordel. Merde, mais non. Mais j'en ai marre de ce rebond de pierre de CON. Oh, merdoum. Non, c'est pas toi que je veux prendre, c'est la jarre. Mais c'est la folie à plusieurs, Spell Lucky. Oh mon dieu. Et comme c'est remote play, alors moi j'ai le jeu, mais ça veut dire que tu peux inviter n'importe qui à jouer avec nous, même s'il a pas le jeu. Ah c'est beau. Eh bah ça va être le beau boxon. Ah bah je savais pas. Je vais poser la flèche ici avant de faire une bêtise. Mais... Oh le bordel. il va avoir une pique dans le cul, il va pas comprendre. Ah tu vois, t'es fait avoir. C'est terrible. Et il y en a de plus en plus, plus on descend dans la mine, plus les jarres apportent moins et sont foireuses. En général, dans la jungle, je prends quasiment plus les jarres. Oh oui, les bombes. Bien sûr, moi j'aurais plutôt pris la pioche, mais... Eh ben on va prendre la pioche aussi, on peut l'acheter. Tiens, je l'achète et je te l'offre. Je dis ça, mais je sais même pas à quoi elle sert, la pioche. Tu creuses à l'horizontale. Tu pètes tous les blocs à l'horizontale. Prends le paquet cadeau. Fouette le paquet cadeau. Voilà, c'est pour toi. C'est ta pioche. Bah, tu fais comment pour l'utiliser? Oh non! Mon dieu. Alors ça c'est naze par contre, parce que je voulais mettre un coup de pioche dans le mur parce qu'il y avait une salle derrière avec des trésors. Alors, une grande règle de Spell Lucky, ne jamais agresser un vendeur. Parce que quand tu l'agresses... Toujours agresser un vendeur, un jour je le ferai. Eh ben, ouais non mais, alors je vais détailler après. Quand tu agresses un vendeur... tous les vendeurs, c'est une guilde, tous les vendeurs de tous les niveaux après t'accueillent à coups de fusil à pompe. Donc c'est juste l'enfer. Tu peux plus rien acheter. Il faut espérer que le vendeur crève en sautant comme un dératé dans le niveau, dans un pic ou je sais pas quoi. Là après tu peux rentrer dans son magasin et le dévaliser. Tu payes plus rien, tu le voles. Parce qu'il est mort. Mais okay. Ça se sait dans toute la guilde des voleurs. Tu en agresses un dans ta partie, tous les vendeurs vont t'agresser au fusil à pompe jusqu'à la fin. C'est pas à faire. Un bon défi à faire. Ouais, mais... Enfin bref, je vais t'apprendre au fur et à mesure. Et moi, il y a un truc que j'ai pas aimé. Je trouve que c'est assez aléatoire. Mais quand tu places une bombe à peine 3-4 cases du mur, de l'enceinte, il se sent agressé et il sort le fusil. Alors que tu l'as pas agressé lui directement.
mais il a été perturbé par ton explosion proche et il se sent menacé. Et il faut faire gaffe avec les vendeurs. Il faut éviter de faire péter une bombe à proximité. Il va y avoir un clip aujourd'hui. Là, j'ai juste mis un coup de pioche dans le mur. Merci, merci. Oui, c'est une agression. Un coup de fouet, c'est une agression. Un ennemi qui saute sur le vendeur dans son échoppe, c'est une agression. Il faut faire gaffe parce que les ennemis ne rentrent pas dans les échoppes. Ça, c'est abusé, pas. Ah ouais, mais c'est le stress. Mais c'est la règle du jeu. Voilà, tu vas me suivre en fantôme. Tu vas pouvoir délirer en fantôme. Attends, bouge pas. Quoi ? Tu peux interagir ? C'est rigolo. Je peux faire de la fumée. Tu jettes un feu aux ennemis. Je peux faire de salto. Ah, c'est rigolo. Oh, le bordel. Moi. Attends. Je te hante, le sais. Je te hante. Mais c'est ça. Me perturbe pas trop, merci. Tu es un mauvais capitou. Tu m'as pas prévenu. Je te hante. Merde, j'ai loupé le serpent. Attends, je prends la tunesse. Ça va pas me perturber du tout. Ah, mais non, t'as failli me lancer l'araignée, ça va pas, non. Ah, il attends, j'ai une idée. Elle était mauvaise. Ah, mais il m'a libéré l'araignée. Ah, mais non, c'est pas ça qu'il faut faire. Je voulais l'envoyer dans les pics. Oui, bah, c'est pas maîtrisé, tu veux dire. Ah, bah voilà, mais si, ma réponse de tout à l'heure. Si t'es à côté, tu peux marcher dans les pics sans te faire tuer. Ah, alors j'ai mal compris ta question, pardon. Merde, le coffre est trop lourd. Oh, merde, Doom. Oh, ça. C'est un perso. Peu de ma faute. C'est un perso à déverrouiller le cercueil. Mais arrête de... Mais il est fou. Mais attends, mais tu vas le torturer, l'autre. Attends, sors de là, toi. C'est quoi, le perso? Bah, c'est ah, moi. Ah, je t'ai ressuscité. Foufou. Je t'ai... Ah. Oh, c'est cool. Oh, je suis content, je t'ai ressuscité. Bah, tu vois, je savais pas que ça pouvait se faire. Il y a quelque chose d'intéressant en haut. Attends. Ouais. Merde, on a oublié le coffre. Il faut absolument prendre le coffre scellé. Mais... Pardon, bouge plus. Tiens, déjà ça on a oublié. Ah bah tiens, ça prend une émeraude. Ouh, j'ai chaud parce qu'avec les pics, c'était pas gagné. Voilà, je reviens. On peut. Oh alors lui, il est dangereux. Mais bougez, Capitoun. Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que je peux bouger, Capitoun? Oui. Parce que je me dis pas bouger, je bouge plus, hein. Oui, tu peux, vas-y. Mon dieu, mais il est fou. Tu fais casser. Bah oui, tu m'étonnes. Ah merde, il y a eu un incident. Pourquoi il y en a un qui est mort? Bah, il y avait peut-être deux vendeurs, on en avait un chacun. Je sais pas. Oh merde. Il y a le fantôme. Oh merde, on est dans la merde, là. Ah merde, je me suis fait buter. Mais sors. Vas-y, gâchette. Mais je voulais attraper le coffre, mais il y avait une putain de flèche qui m'empêchait de le prendre. C'est foutu, c'est pas grave. Mais la merde, j'ai ma flèche avec moi. Je serais dans Fort Boyard. Et tu remarqueras que... Mais tu remarqueras que comme t'es mort, toute l'or que toi tu as récupéré n'est pas amené. Oui, mais on continue la partie. C'est un moindre... Oh merde. J'ai la chair de poule, annonce un niveau plein d'araignées. Ça me gonfle. Comment tu fais ton souffle, toi? Le même souffle que pour attaquer. Ah, j'ai trouvé. Ah oui. Ah, c'est bien d'avoir la caméra centrée sur moi pour une fois. Oui, c'est cool. Ouais, t'es le porte-bannière. C'est n'importe quoi. Alors, je la hante, je fais quoi? Oh, tu peux la gérer. Oh non, pardon, je regrette. Vas-y, saute YouTube. Effectivement, okay, c'est tentant quand t'es fantôme, mais c'est pas bon. Donc, si tu veux vraiment que je te donne un coup de main quand je suis fantôme, tu le dis, mais je prends plus d'initiative. Souffle l'araignée, là. Qu'elle tombe devant le piège. Exactement. Tu as raison. Attends, si j'arrive à centrer le truc. Ah, merde, j'y arrive plus. Bah, dans ce sens-là. Oh merde, pardon, tu as raison. Je suis con. Ah bah tiens, j'ai déclenché le piège. Tu peux y aller. Super. Bon, je vais récupérer ça quand même. C'est génial. J'adore. Oh, il va me ressusciter. Ou pas. Mickey. Aïe. Oui.
Je peux pas sortir. J'espère. J'espère. Par contre, on a plus de matos du tout. Évite d'aller dans les antres aux araignées. Le nid d'araignée est pas intéressant, petit Seb. On revient. Non, là, c'est la moitié là que tu. Attends. Qu'est-ce qu'il y a? Attends. Qu'est-ce que tu veux faire? Je veux. Si je monte là. Oui. Est-ce que je peux? Non, dommage. Non. Je voulais voir si je pouvais remonter prendre la flèche. Ah. On se barre parce qu'il y a l'autre déchaîné. Maintenant, on a tous les méchants fâchés. Merci pour la pute clip. Je sens qu'il va y en avoir des tonnes aujourd'hui. Ah, la jungle. Wow. Alors, la jungle, gare. Là, ça monte d'un cran, la difficulté. Tu vas découvrir des ennemis, tu vas flipper. Avancez. Des piranhas, trop bien. Non, va pas goûter le piranha. Non, attention. Voilà. Non, mais... C'est qui le patron? C'est moi. Okay. Alors, il est fâché le vendeur ou pas? Je pense que oui. Oui, il est fâché, oui, il a fusillé. On se barre. T'as vu, c'est ma tête maintenant qui est wanted. Oui, bah oui, t'es porté tendard. Ouais. Ah, ça vaut le coup. Mais vite, s'il sort de son truc, on est dans la merde. C'est dommage qu'on ait pas de bombe parce qu'on a pu précipiter la chute du. Ah, bah tiens, on peut se barrer. Barrons-nous. C'est bizarre que la sortie était à mi-hauteur. Généralement, elle est tout en bas. Ah, il va y avoir un bassin de piranha. Oui. Je suis mort. Alors, fallait me prévenir que les plantes piranha, on pouvait pas leur sortir sur la gueule parce que du coup, je me suis fait bouffer. Ah merde. Passe à gauche, parce que à droite, il y a le vendeur avec son flingue. Ah merde. C'est le marché noir. C'est là où il y a tous les vendeurs. Je pouvais pas faire pire comme destination. Merde. J'espère que la sortie est du bon côté. C'est quoi ça? C'est un sadomaso. Ah, c'est un sadomaso. Attends. Merci, bien joué. Faudra faire attention à pas tomber dessus. Mais... Bah oui, mais attends, le. Oui, bah tiens, attends, le Tipeee il est mortel. Et si je fais ça, ça fait quelque chose? Non, je crois pas. Attends. Oh, bien joué, merci. Je sais pas ce que t'as fait, mais ça a marché. Et j'ai soufflé dessus pour l'assommer. Ah merde. Non, ils m'ont buté. Oh la violence. Oh, dommage. C'était pas mal tenté. Bon, bah voilà, la leçon du jour, ne pas agresser. Ah, ça, c'est toujours moi. Non, mais oh. Ne pas agresser. Par le slip, s'il te plaît. Ah, il y a un skate qui servit. Attends, tu vois. Il va nous tomber sur la gueule, hein. Attention. Bien joué. Alors attends. Non, pas toi. Non, mais. C'est toujours moi. Prends hein. Un crâne et. Non. Alors, quand tu te mets accroupi et que t'es au bord, tu oui, peux faire tomber. Oui, ça lance bien moins loin. On est d'accord. Il n'y avait pas un truc de l'autre côté? On va aller voir. Non. Et oui, en solo, tu commences avec 3 ou 4 de chaque, non? Je crois, ouais. Ouais. Voilà, et là en fait, c'est réparti, divisé entre ouais. Les joueurs. 2 et 2 au lieu de 4. Ouch. Désolé. Tiens, mais j'arrive. Je sais que t'as pas fait exprès. Oui, il y avait qu'un truc en haut, oui, t'as raison. Vas-y. Ah, il y a la blonde en dessous. Tu peux regarder sur le côté? Non. Je suis coincé. Alors attends, mais faut libérer la blonde. Si tu mets une blonde là où t'es, normalement, ça peut être les deux blocs. Hein. Normalement, ouais. Cours. Merde, je voulais me faire la chauve-souris. Mais... Et elle est sur moi la chauve-souris. Ouais, c'est bizarre, ça me perturbe. Alors oui, tu voulais voir là. Merde. Ah, tu pouvais prendre le diadème en haut, ouais. En haut à droite. Là. Oui, vas-y, encore, en haut à droite. Ouais. Oh, la pierre 11, c'est pas grave. Alors, ouais, il faut pas oublier qu'à 2 minutes 30, le fantôme se pointe et c'est l'enfer. Je connais pas beaucoup de joueurs de Spanuki qui se marrent avec le fantôme. Oh là là. Panic on board. Alors attention. Oh, magnifique. T'es un chef. Ah, chauve-souris. Forcément, ça la déclenche. Bien. Oh, tu digères bien. Bravo. Oh merde. Caillou. Dommage, elle m'a touché. Bien.
Ah, c'est bon, hein, le Capitoun, il m'a bien formé. Ah ouais, ouais. Ah, il y a un coffre. Hop, 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 je descends par là. Vas-y voir, ça va, t'as pas de dégâts de chute. Oui, tu peux. Attends, je te rejoins en bas. Oui, ouais, pour remonter, c'était soit une carte, soit une bombe. Ouais, ouais, ça va. Merde, le fantôme est là. On se mène le CUL. Oh, c'est ça. Exactement. Bien. Bien, bien, bien. Waouh. Et il court bien devant moi, hein. Attention. Hein. J'ai la flèche. Et la pointe encore. Ouh. Oh la vache, t'as fait un carnage. Respect. Eh, on est victime ou on l'est pas, hein. Ouais. Bah aucun intérêt puisqu'il y a rien en dessous. Oui, non, on le prend pas puisque bon là tu en veux deux. Oui, mais toi t'en as pas. C'est pas faux, c'est pas faux. Oh là, tu la joues finement, bravo. Bonne stratégie. Je t'aurais fait confiance pour ouvrir la voie s'il y avait eu un pépin. Mais je te l'accorde, je te l'accorde. Attends, moi je passe de l'autre côté, bouge pas. Voilà. Merde. Oh merde. Ah, j'arrive même plus. Tiens, prends mon butin. Allez, vas-y. Non, c'est mon butin de mort. Oh, ah, ça me redonne les cordes. C'est oui, quoi ça oui, en bas. Oui, t'as mon matos. Alors, le marchand était pas agressé, là. T'as peut-être pu voir s'il y avait des trucs qui t'intéressaient. Ah, non, mais c'est un... On n'a pas beaucoup. Un coffre-fort. D'accord. Et qu'est-ce que ça fait que j'emmène ton truc? Si j'emmène ton corps, est-ce que ça te ressuscite? Je pense pas. Mais tu peux toujours essayer, ou tu peux te servir de mon corps comme projectile, c'est moche, mais... ça sert à quelque chose. Aïe, 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 aïe. Ah. Je pleure, ouais, ouais, ouais. Petit chef maltraite mon enveloppe charnelle. Ouais, ouais, ouais. Attention à l'araignée au-dessus. Tu veux que je la provoque, on fait quoi? Non, tu la gères? Ouais, vas-y, souffle dessus. Ah, elle arrive. Merde. Ah, elle a eu un gros bond. Pas de bol. Attends, je peux péter les jambes ou pas? Non, bah non, pas avec le souffle. Bien joué. Ah ouais, ça laisse ton cadavre. Donc le cadavre du joueur ne sert à rien, à part... Oui, à un projet. Et tu content de ton Capitoun, Tissep? Ouais, ça va, ça va. Je peux le maltraiter et il m'apprend bien. Ibi. Bonjour Poupon, bananier pomme sautée. Excellent. Voilà. Alors, le temps... Je connaissais pas ça, t'aurais pu prévenir, Capitoun. Bah pardon, je saluais Poupon. Pour lui présenter mes voeux. Voilà, tous mes voeux, c'est pas grave, on va y retourner. T'aurais pu prévenir qu'il y avait un rocher à Indiana Jones. C'est comme ça qu'on apprend. Mince. Ah non. Oh, je t'ai encore saisi, mon pauvre. Voilà. Oui, tu vas aller sur le côté d'abord, tu veux gauche-droite. Non, on peut aller là. Ouais, c'est ce qu'on appelle les... Alors là, il y avait la statue en or, mais il y a aussi les hôtels de Kali où tu peux faire des sacrifices. Mais si on en voit un à l'occasion, je te réexpliquerai. Ben ouais, il y a des bizarreries dans le jeu. Pardon. Mais bravo, je sais plus courir et faire les... C'est la gâchette arrière. Ah oui, j'ai pas le réflexe. Non, visiblement, il n'y avait rien. C'est si, il y avait un triple lingot au-dessus, mais comme je vois pas le chemin, je pourrais pas l'avoir. Ouais, non, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est bon. Attends, c'est la gâchette courir juste... Ah oui, ah ok. Merde, bah tiens. Tu vois, je m'amusais pas à courir dans le jeu. J'avais oublié l'habitude. Non, c'est pas intéressant, petit set, là où on est. Enfin, là où t'es. Là, par contre. Voilà, là, c'est une caisse de matos. Ah bah, on a gagné des bombes. Enfin, j'ai gagné des bombes. Oui, tu peux prendre l'or. Voilà. Ah, il y a une bombe à sauver. Ah non, on peut y aller par l'échelle. On va y aller par l'échelle. J'allais balancer une bombe, mais c'est débile. Attends, moi je prends le joyau en bas. Voilà. Sauve la bombe. Et ma blonde.
Ouais, voilà. Attention de pas trop assommer, fouetter hein, la blonde parce que. Merde. Parce que. Chaos sinon. Attends, il y a encore des trucs là. Hop, c'est pas mal ça. C'est bon, c'est bon. Y'a plus rien, y'a plus rien. On se barre. Je sais pas s'ils ont mis un multi sur. Ah, j'ai chopé un bisou, ça c'est bien. Message de Torota 77. Deux, vraiment multi, l'esclave viking dans Spelunky et ceux de l'esclave de Nancy dans Raft. C'est ça, exactement Torota. Ah là là. Il y a l'esclave dans Spelunky et moi je suis l'esclave dans Raft. Exactement. Allez, on va du côté là, là où il y a de la thune, vas-y. Ouais, bah, ouf, t'as eu de la chance. Ouais, parce qu'il y a une certaine distance avant que ça se déclenche. Ouais, par contre, ouais, j'aurais pas dû. Parce que là, c'est la fosse au serpent. Non, attends. En bas, il y a plus que Esprit qui est pas la blonde. Mais non, oh le malheureux. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Je bouge plus. Je crois que c'est pas terrible. Merde. Quoi? Comment ça, il y a un chrono, je peux faire de bouche à bouche, là, quoi? Ok. Non, t'es sérieux? On est dans la merde. Non, faut que tu creuses à gauche, à mon avis. Alors... Utilise deux bombes à gauche. Non. Attends. Alors, la blonde. Oui, c'est vrai qu'il y a du matos, mais est-ce que t'as vu la sortie en bas? Non. On n'a pas localisé la sortie. Ah merde, c'est la caca. Ouais, tu as raison, je vais faire usage de bombe. Oui, barre-toi la bombe. Finalement, t'es bien là. Rebombe. Ah non, je peux pousser. Mais c'est pas de ce côté-là, la sortie. C'est pas. Non, est-ce que... elle est en bas, mais. Attends, je vais faire le plein de thunes et de matos. Qu'est-ce qui s'est passé? Non. C'est moi qui t'ai soufflé dessus. Ouch. J'ai essayé de voir si je pouvais souffler les. Je vais bouger. Oh, une machette! C'est violent la machette! La machette! Machette! J'ai un lingot d'or là! Alors, c'est la machette ou la blonde donc. Attends, je... Il faut que j'essaie déjà de faire les passages en corde. Pas mal. Viens, ma grande. Misel, s'il vous plaît. Est-ce qu'elle était pas mieux au fond le temps que tu montes? Merde, c'est encore bien haut. Oh, je vais fumer toutes mes cordes. C'est le prix à payer pour sortir de la fosse. Mais là, tu peux mettre une bombe. Ah non. Attends. Ouais, avec un petit saut bien maîtrisé. Attention. Ouais, ça craint. Oh, elle est chiante, elle. Voilà. Magnifique, un joli combo. Vite, t'as sorti là. Oui, attends, je prenais la thune et la blonde. Je sais pas, comme si je voulais être plein aux as. Ah, ils vendent des bombes. Ah. Merde. Ah, mais saute. Oh. Ah, merde, j'ai pas déballé le cadeau. J'ai acheté le truc, je l'ai pas déballé. Merde. C'est pas grave. Bah, la prochaine fois, tu iras directement à la sortie quand tu as le pourquoi. C'est ça. Merde. Alors que j'avais feinté une première fois le fantôme, ce qui est très, très culotté. Oula, merci. Du coup, prévention, voilà. Voilà, très bien. C'est quoi ce... Oh la vache! Attends, je me demande si on voit un truc au bout, là. Je sais pas s'il y a quelque chose d'intéressant. Merde! Oh, elle arrive à monter jusqu'à moi. Il y a une blonde. Ouais, mais elle va mourir. Parce que si tu souffles sur la caisse, elle va éclater, elle va exploser. Ça va faire boum. Vas-y, tu vois. Et le chien est mort cramé. C'est pas grave, c'est qu'un chien. Oui, ouais. Oh merde, tu l'as libéré. Alors attends, un truc. Il y a un lingot d'or là. Alors ouais, c'est pas grave. C'est surtout que j'ai un truc super important qui est la clé en or. Si je trouve le coffre, merde. Ouh, j'ai eu du bol de power dégâts de chute. Si je trouve le coffre en or. Alors, tu vois, là ce que t'as pris, la statue en or. Le boulet qui est lâché, le problème du boulet lâché, c'est que ça roule. Et ça défonce le niveau. Donc il y a une forte probabilité que ça défonce un marchand. Ce qui nique le jeu, en fait. Là, la partie. Regarde, est... Non, mais c'est simple, le sage. Qu'est-ce qu'il y a? Là, regarde vers le bas. Tu vois, t'as pas de marchand.
Donc si tu la prends et que tu montes là à l'échelle ici, ça devrait aller. Si tu veux rigoler, je vais te montrer, mais tu vas voir les conséquences que ça fait. Déjà, ça m'emporte la clé. Oula. Merde. Un double. Ah, mais non, j'allais dire, t'as juste à lancer une corde, mais non, il y a mais pas. Oui, bah voilà, j'ai glissé, chef. Et merde, merde. Ah oui, mais du coup, t'as perdu les deux. Merde. T'as perdu les deux, du coup. Ah, c'est dommage. On aurait pu... Et puis, non, il y a un marchand tout en bas, il y a une lanterne. Ah. Il y a un mec en bas. Il vend quoi? Il vend des bombes. Ça peut me plaire. Ah bah merde, j'ai plus de cordes. Bon bah non, mais... Bah non, je me suis piégé. Je peux plus sauter. J'ai plus de cordes. Ici, on va refaire un tarpon. Non, on va refaire une bombe ici. Non, mais il va se sentir agressé, l'autre. Il va se sentir agressé. C'est pas grave, on recommence. Bah, il se sentait pas agressé. Ouais, bah, c'est pas grave. C'était parti trop chiant. Qu'est-ce qui s'est passé? Et moi qui t'ai jeté comme une merde. Ah merde. Du coup, j'ai pas compris. Mais attention, rebond. Attends, je vais y aller, je vais le. Merde. Je vais y aller, je vais me faire mordre. Merde! Mais je. Oh! Mais je le mets. Si tu meurs. Si tu meurs, je rigole. Chiotte! C'est tout ce que j'ai à dire. Tiens, je souffle de froid sur mon cadavre. Pou. Merde, homme. Ah là 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 là. Allez, vas-y, c'est toi le chef. Non, bah non, tu peux pas. Tu peux pas, y'a pas de case vide derrière. Il peut pas être amovible, il est bloqué contre le mur. Tu peux pas le tirer non plus. Attention, c'est périlleux par ici. Loupé. Alors, t'aurais pu prendre la jarre, mais c'est valable aussi. C'est moche, mais ça marche. J'arrête. Ah, j'entends la blonde. J'ai entendu la blonde. Est-elle en bas? Elle est en bas. Elle est en bas. Et vers la chauve-souris. Salut. Oui, tu veux que j'agère là? Non, c'est bon. Oh, joli! Belle manœuvre. C'est pas du tout ce que je voulais faire, mais c'est pas grave, ça a marché. Ouais. Oh, ne néglige pas les caisses. Les caisses de matos. C'est du matos offert. Par contre, pour y aller, ça va être sport. Ouais, 3 cases, à mon avis, de bout en bout, tu peux pas. Mais tu peux toujours essayer. Je crois que c'est 2 à 2, ça passe. Ouais, tu peux peut-être rentabiliser. Ah, non. C'est bien, c'est fait. 3 cordes, ça va. Ouais. Pour une bombe sacrifiée, c'est... C'est horrible. De voir ma dépouille se manger que des pièges, ça me fait mal. Ça me perturbe. Je prends la route, je repasserai dans l'après-midi si je dors pas. Ah, bonne route bonne matinée. Pardon, oh, j'ai zappé les propos de Poupon. Je suis à fond dans le jeu. J'ai pas vu la blonde. Elle devait être au-dessus. Ouais, non, mais c'est pas évident. C'est pas évident de la localiser, pardon. Non, mais moi, d'après le son que j'entendais, je l'entendais en bas. Ah, c'est très... Là, t'as fait le clip, si tu meurs, je rigole. Merci pour les clips. Non, mais vous en avez plein dans la journée, là, parce que... En plus, cet après-midi, ça va être Pico Park, ça va être un foutoir sans nom. Ça va être génial. Ah, tu vas pouvoir m'anticiper. Ouais. Et je peux influencer le truc? Ah oui, je peux influencer le truc. Putain, c'est fou, ça. Ouais, je pourrais pas t'aider pour la caméra, là. Ouais, c'est le souci. Oh, elle, putain. Par contre, elle va se libérer. Hein. La grosse, elle va se libérer. La vache. Yeah, c'est bien. Pour le moment, tu gères bien. Message de Torota77.
après Christella, petit Seb met les flèches DNAS sa fesse. Je veux pas tomber. Dans sa face, pardon. Mais de toute façon, elle peut pas sortir. Ça. Ah merde, la blonde se barre. Bon, c'est pas grave. Bah, qu'elle se barre. Merci. Oh la vache, tu m'as ressuscité, c'est un peu bizarre. Attends. Merde. J'essaye de. Bah, tu vois, je suis déjà à nouveau mort. Je voulais essayer de mater là. Ah, bien. Fais-toi plaisir, achète-toi des bombes. Oui, non, il faut que la toile soit. Ouais. Mais achète les bombes d'abord avant de sauter. Achète les bombes avant de sauter. Prends les deux paquets, vas-y. Déchire le truc au fouet. Voilà. Pareil pour la deuxième. Et, c'est bien, ça te fera du matos. Dès qu'elle tire. Voilà, saute. Très bien. Très bien. Très très bien. Maintenant, balance une bombe en la posant. Ah, attention, elle bouge. Parce que si t'arrives à foutre une bombe dans la grosse araignée, elle pète en joyaux. Donc. Ah mince. Mince, mince, mince. Oui. Balance une bombe là, tu peux. Non, ne pense pas à la fouetter. Merde. Alors, accroupis-toi. Voilà. Ouais, bravo. Bravo, ton premier boss. Très bien. Très, très bien. La blonde, t'es où? Ah, elle est descendue tout en bas. En espérant qu'elle se soit pas faite empaler, tu la retrouveras en bas. Non, mais elle doit être en bas, la bombe. Là, tu perds du temps. Là, je t'avouerai que. Elle doit être... Ah, on va voir. Le beau mec, il est. Oh, vite. Il est coincé dans la toile et la sortie était à l'opposé. Attention, l'araignée. Ouais. Bien. Oh, un chef. Bravo. Rien de light. GG. Non, oublie le reste. Barre-toi. Bien. Tu gères bien. Bravo, petit Seb. J'ai plus qu'un PV par contre. Ah, ça va aller mieux. Je souffle les flèches, voilà. Trop bien. Attention. Oula, t'es chaud. Hey, je me suis serré contre le truc, tu vois, pour pas la prendre. Ouais, non, mais c'est bien, c'est bon réflexe. Non, très bien. Il y a la bombe. Elle est sur la droite là-bas. Et là, t'as un hôtel aussi. Oui, je t'expliquerai s'il y a un hôtel. Oh, fais-toi plaisir avec une grosse boîte verte. Ah ouais, 12 bombes. Les grosses boîtes, c'est 12, alors que les sacs, c'est 3. Voilà, là t'es plein aux as. Ah, là c'est intéressant là. Oui, alors c'est un hôtel de sacrifice. Alors, l'hôtel de sacrifice de la déesse noire Kali. Soit tu sacrifies. Un perso peut se sacrifier en s'accroupillant dessus. Ne va surtout pas t'accroupir dessus, sinon tu te sacrifies et tu te transformes en objet. Tu déposes une caisse de matos et t'obtiens un concombre. Une courge même. Tu peux sacrifier la blonde, t'auras un objet. Voilà, t'as gagné un objet, mais tu t'auras pas de vie en bonus. Voilà, très bien. C'est une des règles du jeu. Bon, le coup de la courge avec la caisse sacrifiée de matos, c'est pour avoir une fin spéciale cachée. C'est pour les super joueurs, c'est pas pour nous, hein. Mais ça existe. Et après, je crois que tu peux. Je sais pas si tu peux sacrifier accidentellement des ennemis, je crois pas. Ah si, je crois qu'une fois j'avais balancé une dépouille d'un sadomasochiste et ça avait fait office de sacrifice. C'est quoi cette bombe? T'as une bombe collante. En ayant le pot de glu, en ayant tué la grosse araignée, tes bombes sont adhésives maintenant. Elles ne respectent plus la chute, mais elles se collent à la première paroi percutée. Oh, oula vache, ça m'a fait peur. Oui, j'allais dire, je peux te déclencher le truc, voilà. Oh, scorpion, très dangereux. Deux fois pour l'assommer. Et attention, il fait des sauts de vilain. S'il te voit, il va te sauter dessus. Et je claque à coup de dard, il va te. Message de FunFan 1992. Une bonjour, fois. Bonne année et bonne santé, tout le monde. Parce que j'ai les chaussures. J'ai les chaussures à pic. C'est qu'il s'est déjà pris un. Non, j'ai les chaussures à pic. C'est bravo. L'objet que j'ai eu. C'est... Voilà, merci. Bien joué. Merci, bonjour, FunFan et meilleurs vœux. Merci. C'est quoi ce fan là? Je sais pas. C'est la première fois que je le vois. Science carapatée. Oui, je crois. C'est une bonne idée. Attends, il y a des. Non, attends, il y a des. Une bombe, s'il te plaît. Vite, il y a une caisse. Une bombe.
Refais le moment au fond. Voilà. Prends le diadème. Merci. Voilà, moi je prends les bombes. Tu viens de me tuer. Ah bon? Ah merde. C'était pas prévu au programme. Désolé. Tu sais que c'est un cul-de-sac là-bas. Ouais, mais le il fait suer. Une bombe le... là. Merde. Il fait suer le. Attends. Non, mais c'est qu'en fait, comme je t'ai ressuscité, tu as récupéré les mêmes objets que moi. Tu as les bottes à clous et le. Et la colle. Mais je vais essayer de te rendre l'appareil, je vais essayer de te ressusciter, t'inquiète pas. Courage, on y croit, c'est pas ah mal non, mais On fait un bon tandem. C'est pas mal, c'est pas mal. Voilà. Voilà, non, moi, tu vois, j'aime beaucoup le jeu, ce qui me déçoit un peu, c'est le coup du fantôme. Autant, tu vois, quand t'arrives vers la fin, peut-être s'il y a un fantôme, si tu mets trop de temps, mais 2 minutes 30, je trouve ça vachement court, hein, quand même. Pour, ouais, mais ouais, c'est le jeu. Oui, c'est le jeu. Ouais. Tu veux que je souffle ça là? Oui, vas-y voir, s'il te plaît. Merci. Si ça peut être fort intéressant. Bon, ma clé, je la retrouverai forcément en bas. J'en aurai besoin en bas. J'ai pas vu le coffre scellé. Oui, oui, t'es déçu par la règle juste de un... 2 minutes 30 par tableau. Ouais. Ouais. Ou encore s'il y avait plus de temps, tu vois, au début. Ouais. Mais en fait, ce qui me déçoit le plus, c'est même pas ça, c'est que tu sois même pas prévenu. Parce que dans le didacticiel, ça te le dit pas. Ouais, 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 ouais. Ouais, tu le découvres à ton insu. Oh merde. Ah merde, j'ai mal géré ma chute. Hop là. Ah dommage, j'ai pas vu l'araignée. C'est pas grave, on s'en moque. J'ai pas vu de coffre scellé. Ah, je vais te ressusciter, t'es prêt? Voilà. Tu peux prendre la clé si tu veux. Ouh, cobra, attention. Ah merde, ah merde. Ah, voilà, j'ai géré le cobra. Oh les boules. Ah mais non, je sais pourquoi t'as eu les... Ah le coffre est là. Je prends la jarre, attention la jarre. Oui, y'a rien dessous. Bien, t'as eu l'œil de Kali. Alors l'œil de Kali, ça augmente très fortement la probabilité qu'on finisse le jeu. Mais pas que, on va avoir des bonus. On se barre. Non, ça vaut pas le coup, Seb. De toute façon, j'ai pas de bombe, c'est toi qui as tout. Oui, en plus. Bonjour à tous ceux qui arrivent dans le chat sur la chaîne, bonjour, bonjour, meilleurs vœux, hein. Je vous souhaite le meilleur, pardon, on est à fond dans... Puis moi j'ai besoin de me détendre, pour ceux qui viennent d'arriver, bonjour Ironster. J'ai eu un... alors pas un dégât des eaux finalement, mais quand je me suis réveillé ce matin dans ma salle de bain, je me suis retrouvé avec des toilettes qu'on fuit continuellement, donc je me suis improvisé pendant une heure et demie en plombier, j'ai stoppé, enfin j'ai freiné l'hémorragie fortement, mais je l'ai pas stoppé, ça coule encore un peu. Mais du coup j'ai démarré le jour de l'an avec les chocottes, un coup d'adrénaline, en me disant merde qu'est-ce qui se passe chez moi. Voilà, et là j'ai le plaisir de me détendre avec Petit Seb qui a la gentillesse de m'accompagner dans Spelunky et c'est très drôle. Voilà, voilà, j'espère que vous allez bien, que vous avez pas trop la gueule de bois. Vous savez tout. Ouais la blonde, alors la jungle, oh la vache la jungle, c'est... il y a encore de nouvelles règles avec la jungle. On y arrivait tout à l'heure, c'est bon. Ouais, 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 non c'est bien, franchement tu joues bien. Merde. Je voulais l'assommer. Ouais, c'est dur. Je sais pas si tu vois un truc. Merci. Comment tu cours déjà? Ah oui, c'est ça. Voilà, bien joué. Ouf. Non, c'est la mort. Ça vaut pas le coup. On va regarder en bas. On va regarder en bas. Te plante pas dans les pics, alors qu'est-ce que tu fais? Viens, 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 décale un peu, s'il te plaît. Pourquoi? Ah, oh. C'est beaucoup de risques pour pas grand-chose. T'appelles ça book touriste, toi? Oui. Attends. Ça a l'air assez... Attention, t'approches pas du tipi. Oh merde, il y a deux piranhas. Non, allez, on va pas être fou, on va descendre là. Bon. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, bon, comme tu veux. C'est qu'on mise une bombe en passant par là, mais bon. Merde! J'ai pas réussi à me raccrocher au bord, je suis mort. Bon bah récupère le sac de matos, voilà. Attention, c'est un gros bassin en bas. C'est super dangereux. J'ai peur que la sortie soit là-bas en fait. Ouais. Non, t'es sérieux? La pique elle sort pas et d'un seul coup elle sort quand je saute dessus. Ouais, y a un rythme vicieux. Tu t'es fait bouffer par les piranhas la vache. Il y a un rythme vicieux des tipis. La jungle c'est... Non, la... non c'est bâtard parce que justement au-dessus elle sortait. Là j'attendais, elle sort pas, elle sort pas. Au moment où je m'accroche, je rappuie pour sauter tout de suite et elle est sortie quand même. Et elle m'a tué.
Alors qu'elle était même pas en sortie entière pour moi. Les lois de la jungle sont impitoyables, elles sont... La jungle, tu rages. Ouais, c'est plutôt impénétrable. Hein. Et plus tu... Merci. Toi, tu me gênes. Mais j'ai fini, oui. Plus tu... Bien fait. C'est le karma, là, tu vois. Il pèse lourd. Oh là là, le chef. Cette acrobate. Oh, attention. Alors là, la descente, ben, bon, ça va. On a du bol. Alors, comme tu dis, il y a de la tunasse, mais j'arrive pas à faire un saut. Bien, voilà, tu vois, je l'ai fait en même temps que moi. Très bien. Alors, oh oui, il y a du matos, la caisse. Ouh, la caisse. Tu prends le matos, vas-y, prends des cordes. Fais-toi plaisir. Il y a une jarre tout en haut. Hop là. Attends, attention, je vais l'acheter. Ah, attention. Ah, ça me coupe. Joyeux. En bas. Non, mais. Non. Regarde avant de sauter, foufou. Mais je peux pas regarder, c'est toi qui as la vue, je te rappelle. Ah, bah t'aurais pu attendre. Oh, il y a tout ici. Pardon. Pas fait exprès. Ouais. Ah, moi j'ai des bombes. Ça me plaît. Toi, c'est auprès de ma blonde et moi, c'est auprès de ma bombe. Auprès de ma blonde. Ta, 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 ta. Que fais-tu? Eh merde. Mais des fois, ça laisse le crâne. J'aurais pu le balancer devant le piège pour qu'on aille. Ah voir. Oui, il y avait un caillou là. Oui, si tu veux, tu peux jouer avec le fouet là. Oui, enfin, oui, ah oui, en plus, il était déjà déclenché. Bon, bref, on va aller. C'est de l'autre côté que j'aurais bien aimé le déclencher, ah bon, pour voir, mais bon. Bah, si tu veux. Mais oui, mais t'as plus rien là. Prends un bon, truc. Alors, on va se barrer. C'est pas grave. On peut descendre. Tu vois, c'est pour ça que je déteste le coup du chrono. C'est parce que moi, j'adore. Oui. Oui. J'adore fouiller. Ouais. En fait, c'est un peu c'est frustrant. Enfin, un peu, c'est frustrant de pas pouvoir fouiller comme on veut. La chanson va me faire CHIVR. On a du. Tant sur le pic. Ouais, on jette la bombe dessus pour passer. T'aurais pu attendre parce que je te rappelle que si tu pars, en fait, ça quitte le niveau. Donc il faut que t'attends que je mette la blonde avant. Tu as raison, on a eu du bol. Parce que regarde, ouais, ça l'a pas compté. Oh merde. Tu as raison. Ah, excusez-moi. Oh, tu es sévère quand même. C'était pas fait exprès, mais ça t'apprendra. Mais sérieux? Ah, mais elles sont redoutables, hein, les chauves-souris. Hein. On dirait pas, non, mais chaque ennemi. Elles sont merdiques, c'est le fouet qui est pas assez long. Merde. Après Indiana Jones. Ça fait rire. Merde. Regarde vers le haut, s'il te plaît. Oui. Tu peux le faire. Ouais, GG. Moi, j'ai dévissé. J'ai oublié de m'accrocher à la. Ah, il y a un marchand. On voit une lumière. Ah, oui, on peut pousser le bloc là. Il y a du vide derrière. Ah, intéressant. Qui est-il? Ah ouais, un petit peu de thune. Alors, est-ce que ça vaut le coup de mettre... Oula, non, ça vaut pas le coup de péter le monde. On va passer par l'échelle. Oui, si tu veux. Non, on va descendre naturellement. Bien. Ah, un marchand. S'achète chacun 3 bombes. Merde! Oh putain! Oh non, mais ces touches elles sont chiantes! En fait, comme t'as un bouton pour tout faire la même chose, c'est un peu relou. Alors, que vient-il de se passer? Bah, je voulais acheter et. Tu as volé. J'ai attrapé l'objet et du coup j'ai voulu le reposer et ça l'a balancé. Ouais, là, et ouais, ça compte pas. À partir du moment que tu le ramasses sans te payer, ouais, une mauvaise touche. Ouais. Voilà, mais tu vois, en fait, ça me perturbe que la touche pour ramasser, c'est sur la même que le fouet. Il a fini, oui. Oui, je comprends que ça te perturbe. Mais c'est le jeu qui est comme ça, écoute. Mais arrête de me passer devant, tu sais bien qu'il y a une jarre que je vais la fouetter. Mais bien sûr. Bon, là, il nous faudra un projectile ou on court et... J'ai pas compris. J'avais pas désigné par défaut comme projectile, mais... Ça y est, il va chercher la jarre. Il en veut, petit Seb. Ouais. Oh, GG. Bon, voilà, non, il n'y a rien.
Ouais, puis vas-y. Ah, beaucoup râlé. Ouh, c'est un cobra. Ah, il est chaud. Est-ce que l'autre qui crache son venin, le cobra? Bravo, bravo. T'es plus hardi que moi dans le jeu. Incroyable. Tu es très fort. Oui, je crois qu'on peut. Voilà. Ouais. Ah, la blonde. Mais je me suis raccroché là. Ouais, ça compte, ça compte. Alors on attends, la blonde, elle est emmurée. Ouais. Non, on n'aura pas le lingo. Bon, tu veux qu'on aille un peu à droite? Ouais. Non, c'est la merde. C'est la pauvreté et la mort. On peut descendre. Oh, il y a de la thune là, ouais. Ah, il y a la sortie. On repassera, il y a la sortie. On est obligé de repasser par là. Alors attends, le blond. Merde. Le blond, il fait bien. Quoi son. Je t'accroche. Ah ouais. Il fait bien son. Alors attends, corde déjà. On va se barrer à la corde. Et bombe, attention, monte à la corde. Qu'est-ce que. Monte à la corde. Voilà. J'appelle ça un strike. Tac, tac, tac. Ah, tu passes en haut si tu veux. Wouh! Ah, bonjour, cousin. Oui, meilleur vœu. Salut, Rio. Bisous, cousin. Eh oui, cousin Rio. Ah, j'espère que ton réveillon s'est bien passé, cousin. Bisous tout plein. Ah, elle est emmurée la blonde. Attends. Vas-y, t'as une idée? Oh non, je suis sympa tout seul. Ouais, une bombe qui coûte cher. Ouais, si je mets la bombe ici, ça oui, la tue. Ça pète au-dessus. Ouais, ouais. Ça pète en plus les bombes. Ça pète en forme de plus. Qu'est-ce que. Pourquoi t'hésites? Si je la mets là, je vais tuer le chien. Pas forcément. Ça pète à deux cases. Essaye. Oh bah. Essaye. Voilà. Moi par contre, je suis intéressé voilà. De passer par là. Ouais, non, c'est pas super. Et tu sais qu'il y avait une sortie de l'autre côté, hein, pour économiser. Ouais, la, mais ta là, dernière il y a du matos, c'est. Ouais. Alors attends, si t'arrives à me suivre, s'il te plaît. Voilà, échelle. Ouais, je voulais voir ce qu'il y avait sur le côté rond, mais bon. Attends, on va aller voir. Peut-être qu'avec l'échelle, on va pouvoir. Tu vois, il y a des trucs. Il y a de la thune, il y a des. Bon, ouais, mais moi je peux pas lâcher le chien, il oui, va aller oui, sauter oui, dans oui, le truc. Oui, hein. je te suis. Tu vois, tu peux pas passer. Oui, on n'a pas de bon. Vas-y. Voilà. Tiens, je prends un caillou, ça peut aider. Bon, là, attends. Qu'est-ce que tu veux? Dis tout. Vas-y, petit sel. Bah, y'a quoi en dessous? Oh, oui, je crois que tu peux lâcher le chien. Ah, une grosse pépite, c'est vrai, je te l'accorde. Non, alors, tombe pas. Pourquoi? Faut, ah. Si tu veux aller au marchand, il faut qu'on passe par en haut. Si on peut, ouais. Si on peut. Alors j'ai un caillou, je peux lancer le caillou, bouge pas. Voilà. Je récupère le caillou. Ah oui, oh. La boussole est bien. La boussole va nous indiquer la sortie. À chaque niveau? Oui. Jusqu'à la fin du jeu. C'est un excellent achat la boussole. Le pistolet laser, c'est un vrai pistolet laser? Non, c'est un pistolet à colle, je crois. Je m'en sers très peu. J'aime pas trop ce flingue. Il y a différents flingues. Le top du top, c'est avoir le fusil du vendeur. Attends, je sais pas si. Hop, je lance mon caillou, mais ça m'aidait. On fait les foufous avec le truc ou pas? Vas-y! Non, faut que tu montes. Non, vas-y! Bon. Vas-y, je t'assure. Adieu, petit Seb, mais bon. Il est très hardi, garçon. Surtout que le fantôme vient d'arriver. Oh, pépite. Vite. Bien joué. On s'est fait peur. J'ai trop l'aime, je prends pas. Salut Lynn, bienvenue à toi. Bonjour Lynn, meilleur vœu. Je me suis fait déchouiller par le chien.
T'as gagné une vie. Là, les chouilles comptent pour une vie. C'est ça qui est beau. Y a rien. Ouais, plein. Oh putain, non mais. T'auras essayé quelque chose. Allez, si tu veux prendre le caillou, prends-le. J'en peux plus. Attention, bien géré. Attends. Ah, mais je vais remonter en haut. Ouais, puis j'ai l'échelle qui m'a guaqué. Alors attends. Alors là, bah merde. Boum. Ah, non, j'aurais essayé. Ouais, non, merci. Bah tu vas servir deux fois, je crois. C'est moche, mais. Merci. Alors, hop. Hop là. Merci, petit Le petit Seb est très parti qu'une fois mort. C'est moche. C'est muche. Ah, j'ai libéré un cobra, c'est pas cool. Et moi, j'ai libéré une araignée. Hein. Le cobra, ça va, tu peux le. Ouais. J'ai libéré un parachute. Alors là, le parachute qu'on a eu, j'ai droit à un coup. Ouais, c'est moche. J'ai droit à un coup d'une chute libre. Enfin, d'une chute. Wouhou ! Hop là, voilà, comme ça. Merde. Ah, je t'ai mal lancé, chiotte. Je t'ai mal lancé. Ah, c'est tentant, mais je crois. Non, mais. Avance. Oui, mais attention, parce que Scorpion, t'as vu comment il saute ? Bah oui, mais tu pouvais pas le tuer quand il était assommé ? Non. Non, non. Il faut qu'il reprenne vie pour le repatater. C'est les règles cruelles du jeu. Ouais. T'as oublié le triple. Oui, mais je voulais gérer la blonde. Parce qu'il y a des pics. Qu'est-ce qui s'est passé ? Bah, c'est moi qui l'ai assommé pour pas qu'elle meure. La 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 la. C'était le bordel. C'était le bazar, c'était le bossu, c'était le bordel. Bonjour le coyote. Je dis mais qu'est-ce qu'il fout. Tu sais, j'ai pas eu le réflexe, je dis mais qu'est-ce qu'il va foutre dans les piles qu'il y a l'araignée au-dessus. Et non, mais il l'avait pas vu en fait. C'est ça. Bonjour le coyote, meilleurs vœux, des bisous. Des joubés. Merde. Ah, oh, je l'ai mal géré. Oh, la blonde est sur le côté là, j'ai l'impression. Ou en bas. Attends. Non. Bizarre. Mais. On l'attend. Allez, on l'attend. Allez. Oh, ça valait le coup. C'est quoi le matos? Oh, on a gagné un boomerang. Tu veux essayer le boomerang? Ça trigo de. Oui, oula, doucement. Attends, faut qu'on se barre. Merde! Ah, je vais sauter dessus! Bien joué. Ah, la blonde est là. Alors, attends, je balance la jarre au loin. Ouais, on verra la pépite après. La blonde d'abord. Ah, monter dans les échelles est intéressant. Ouais, vas-y voir. Attention, il y a une araignée qui a été libérée, je sais pas comment. Ah non, mais c'est fermé. Pas monter au-dessus. Ouais, c'est fermé. C'est Attends. Tu veux passer une bombe stratégique? Ouais. Non. Ah merde, ça tombe ici. Ouais, ça, ça me fait chier. T'as un truc qui se tient pas dessus, je trouve ça. Bon, ouais, les règles du jeu, c'est spécial. Bonjour Cocosi. Ça pète pas deux au-dessus. Ouais, bon. Non, ça pète un au-dessus. Mais bon, t'auras essayé, c'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend. Le jeu est cruel. Non, le jeu est pas logique là dans ce cas-là. Je suis désolé. Il est cruel, certes, mais pas logique. Et si tu pètes deux cases, bah tu pètes deux cases dans tous les sens, je suis désolé. Bonjour Cocosi, ouais, meilleur vœu, bisous tout plein. Bien. Sympa. Il y a des trucs, c'est sympa. Alors. Ah, tu veux. Ah, il y a de la thune. Allez, sacrifie la bombe. Il y a de la thune. Vite. Avant qu'il arrive, je m'en occupe.
Hop, 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 hop. Attention, la jarre, je la pète en bas. Voilà. Très bien géré. La classe. Merci pour les clips. Il va y en avoir tout plein aujourd'hui. C'est collector. Ah là là là, ouais, meilleur vœu tout le monde. Qu'est-ce que t'as clippé, Christella? Parce que le là 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 là, là ça me dit qu'est-ce que t'as. Bah, je ferai le point dans les clips quand je regarderai à l'occasion. Alors, je vais avoir beaucoup de contenu à regarder dans les 15 jours, je sais pas comment je vais faire. Mais je vais sûrement faire un choix dans les trucs. Donc, on arrive plus de l'autre côté d'abord? Ouais, on peut aller voir. Merde, j'ai loupé le caillou. Ah, je pensais l'avoir pris. Ouais. Et je serais de bien gérer les clips. Ouais, non, laisse tomber. C'est la mouise, ouais. Ouais, c'est la mouise. Mais merci, n'hésitez pas à faire des clips. Hein. Je veux pas vous freiner à pas faire de clips, mais. Au contraire, j'adore. Mais. Ouais, on va la bombe, le caillou en bas. Attends. Qui fait pas du chocolat. Tu sais que tu es en train de m'abandonner pardon, là. Pardon. Je voulais absolument analyser le Schmilblick. Oh, j'aurai un caillou plus tard, je pense. J'espère. Je prends un risque, mais bon. Oui, il y a un caillou en bas. Allez, hop. Ouch. J'ai pas fait exprès, mais je lui ai tiré dessus. Oh, il y a des choses intéressantes en bas. Ah, attends, là, bon, j'espère qu'elle va pas tomber dans les pics. Ça va. Chauve-souris. Merde, j'ai merdé. Ah, j'ai merdé, la chauve-souris. Et puis moi, je vois plus rien, là. Alors, je sais pas où je suis. Oui, t'es... Ouais. Et j'ai envie de dire attends, ouais, joue avec à l'aveugle, tu finiras bien par l'avoir. Mais j'ai eu oui, bien joué. Oula, oui, il y avait un c'est compte quoi, ce à rebours. À mon avis, si je te regarde pas au bout d'un certain temps, t'es envoie-moi la blonde. Je t'envoie la blonde. Putain, c'est tentant, mais non, faut résister, ne pas soumettre le cadeau. Si tu peux, mais non, mais il y a un vendeur en bas. Malheureux, va. Merci, j'apprécie. Non, moi, mais en fait, c'est dommage parce que t'aurais pu le prendre et venir direct à la sortie. T'en fais pas. C'est pas perdu. Bah si, c'est perdu. Oui, on peut retourner dans un autre niveau. Allez, c'est bon. Le bisou, c'est que pour celui qui a ramené le PNJ, par contre. Peut-être. Ah, j'ai pas fait gaffe. Si. J'ai pas vérifié la règle. Non, mais je te le dis, moi j'y ai fait attention, ouais, c'est okay. Chaque fois que pour celui qui a. Ok. Bien. Pas bien. Ce gang bang. L'effet domino, l'effet papillon. Oh la vache. Eh ben tu te débrouilles. Je suis fait fantôme. Aïe aïe. Il y a eu des explosions en bas. Il y a dû y avoir un truc qui est tombé et qui est tombé sur les caisses de TNT. Donc ça, il y a du grabuge dans la mine. Bien, très bien. Un chef. Surtout que j'aurais pu déclencher le truc en fantôme. J'ai déjà oublié. Bah tiens, je vais déclencher celui-là, mais apparemment il a été déclenché. Ouais. Oh, le sadomaso, oui. Prudence. Merde, tu vas devoir faire usage d'une corde ou d'une bombe. À toi de choisir. Oh, pas mal. Configuration intéressante. Tu veux pas. Ouais, oui, t'as la bombe, c'est bon. Ouah, le squelette. Ouais, c'est terrible, hein, le jeu est terrible. Merci pour vos clips. Merci. Oui, il est bizarre ton habitude, t'as un réflexe fun fan dans le chat, de dire j'ai fait un clip, mais on le voit si tu déposes le lien, mais merci. Là, je vois bien que ton retard en a fait un aussi, merci. Oh, je peux faire ça, là? Oui, tu peux sacrifier le sadomaso. Très bien. Alors, je crois que ça s'est pas vu, mais t'as gagné un item, non, t'as gagné un objet. Très bien. Je sais pas, ça a juste marqué qu'elle était satisfaite de moi. Mais... C'est déjà ça. Non, le blond est mort. Il sert de projectile, mais... Oh. Tu peux foutre la merde aussi, si tu veux. Aïe. Bon, voilà, tout le monde est fâché. La déesse, maintenant, est fâchée, voilà, est fâchée les commerçants, est fâchée tout le monde.
T'entends les fusils? C'est très risqué de prendre la statuette en or. Très très risqué. Ah, tu vas là. Ouais, mais c'est drôle. Bah oui, moi aussi, j'y résiste pas en solo. J'ai beaucoup de mal à résister à pas foutre la merde. Ouais, il y a des trucs là-dessus. Alors, les petites souris qui courent, faut savoir, mais tu peux les choper et les utiliser comme projectiles, les petites souris. Intéressant. Tu vois. On peut voir ce qu'il y a en dessous? Oui. Merci. Je t'avais géré. Bien. 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 Oh là là. Massacre. Alors, attention, ouais. Parce que le coup des pics. Oh oui, je fais le bas, tu fais le haut. Shebao. Attention à la sortie. Bonjour aux arrivants, bonjour Katz, bonjour et meilleurs vœux, bisous tout plein. Ah putain. Coup double. Je voulais tuer l'araignée, j'en ai libéré une autre. Oh là là, voilà. Ouais. Voilà. Ah merde, j'ai perdu ma souris. C'est pas grave. Hop là. Ah, j'arrive pas à la choper. Hop. Ouais, j'ai chopé. Alors en bas, qu'est-ce qu'il y a? On peut y aller. En bas, qu'est-ce qu'il y a? On peut y aller. Non, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, j'ai peur. Bien. C'est bon? On y va. Ah, par contre, je suis... Alors, à l'inverse du rocher, je suis obligé de laisser le rat dans le tableau dans lequel il était. Je peux pas embarquer le rat avec moi. Ça, c'est bizarre. Ça, je viens de l'apprendre. Parce qu'au moment où tu essayes de passer, il s'enfuit, c'est pour ça. Je crois. On va dire ça. Le massacre. Oui, ah non, t'es très fort. Tu fais un score au carnage. Ah, attends, on ne peut pas ignorer la caisse. Ouais, bon, j'allais faire une bêtise. Bien joué. Ouais, c'est bien. Oh, il y en a une en bas. Mais il y a un truc. Attends, faut jeter le caillou là. Parce que... Voilà. Ah, c'est trop tentant. Tu veux aller voir à droite rapidement? Ah, mais t'es mort. Ah non. J'ai cru que tu étais mort. En étant... Ah, mais il y a la blonde. Merde. Ah, on va faire une bombe à étage intermédiaire. Mais non, c'est... Mais si. Gère la chauve-souris de la mort. Attends. Si, si. Regarde, bouge pas, bouge pas. Bah, vas-y, on va pouvoir passer par là. Hein. Oui, bah, on se retrouve... hein, voilà. Ouh. Parce que moi, bravo. Je veux récupérer la caisse, là. Mais bravo. Mais c'est parce que tu es le meilleur. Je savais que tu allais le faire. Et le voyou aussi. Merde! Ah, mon caillou, je l'ai mal géré. Non, pas moi! Oui, une flèche. Balance la flèche dans le truc. Merci. Ah, oh, putain, c'est tentant. Il y a encore une caisse, mais là en bas. Bah, attends. Viens jusque là. Oui, oui, oui. On va tester le projectile pour briser la caisse. Non, regarde en bas. Regarde. Oh. Baisse-toi pour regarder ce qu'il y a en dessous. Oui. Oui, bah, il y a beaucoup de trucs. Enlève-toi. Oui. C'est juste au cas où. Des cordes. Ouais, on néglige. Attends, moi j'ai une idée. Ah bon? Je te laisse y aller seul? Oui. Ah, tu rentabilises, ah oui. Une sur les trois. T'es un malin. Choix mathématique logique, je te l'accorde. Bien vu. Mais, la corde. Non, bravo, bravo. T'assimiles vite les règles et tu les maîtrises bien. Respect. T'as toujours pas compris. Non, mais bravo, bravo. Non mais t'as dit tu me l'accordes, la corde. C'est ça. La corde, la corde. Oui, chauve-souris, la corde, attention, il y a des jarres, il y a tout. Mon cerveau est mouru. Oh merde. Bien joué. Alors il y a un marchand. Ah, moi je peux plus sortir. La corde. Mais je suis à l'abri. Oui, t'es à l'abri. Non, ça vaut pas le coup. Je veux bien prendre le petit lingot de... Oh merde. Eh ben je regrette. Ah merde, j'espère qu'il va pas se faire agresser. Attends, test. Non, ça va, ça passe. C'est parce que c'est un ennemi qui fait pas de projectiles, donc il y a une tolérance. Et le marchand ne vit pas comme une agression. Parce qu'il y avait un gant de baseball et une cape. Ouais, je sais plus ce qu'ils font. Alors la cape, tu peux voler en chute libre, normalement. Ou tu peux faire des sauts vachement longs. Tu peux planer, je crois. Faut vérifier la cape, je sais plus, il y a un truc comme ça. Le gant de baseball, je crois que tu tires super loin. Les projectiles, tu les tires plus en arc de cercle, mais tu les tires à l'horizontale. Carrément, tu fais un super lancer et tu dégommes tout dans la ligne. C'est intéressant.
Ça a le mérite d'exister. Mon dieu, je vois des Cédric dans le chat. Non, il n'y a rien d'intéressant. Il n'y a rien d'intéressant, c'est pas... Ah, attends. Oula, je vais lancer ma flèche et pas toi. Oui, reste là, s'il te plaît. Voilà. Merde. Et si tu la fouettes, la flèche, elle tombe pas? Si, mais voilà. Je gère à ma manière. Oh, oh, chauve-souris. Ah, là, on veut aller sur toi. Bien vu. Il n'y a rien là-bas. Ouais, ouais, c'est la misère. Attends, si, peut-être. Comment ça? Ah! Oui, mais tu vas sacrifier une corde. Tu peux, hein. Tu vas non, je vais pas sacrifier une corde. Pourquoi? Ah, tu vas faire un saut rapide. Attention à l'araignée. Oui, tu as raison. Mais attention. Bravo. Monsieur Petit Seb. Il maîtrise déjà mieux quoi le jeu en une heure. C'est bon. Alors, la blonde. Oh, je serais tenté d'aller dans la fosse au serpent, mais par le bas. Ah oui, bah oui, vas-y. On remonte avec une corde, on trouve la blonde. Alors. Attention. Non! Ah, c'était à se décider qui allait y aller. Mais bon, bref. Arf. Allez, vas-y. Tunasse. Hop, corde. Je te laisse prendre la tunasse. Oh, il y a la clé! Merde, le coffre au-dessus. Allez. Ah, le coffre au-dessus, c'est intéressant. Merde. Hey, attends, redescends, je vois plus rien. Oui, merde, bah tiens, je me suis fait bobo. Attends, je te suis dans la corde. Ah, il faudrait faire un saut. Attends. Oh, bravo! Tu vas réussir à descendre le coffre? Vas-y voir. Mais on risque de tuer la boucle en dessous, mais tant pis. À un moment que tu gardes le coffre avec toi, il faudrait récupérer la clé maintenant. Oh, bien! Oh là là, il maîtrise. Quel chef! C'est un chef qui cède. Voilà! Mais pourquoi? Comment ça, pourquoi? J'aurais pu sauter depuis la première corde déjà. Ouais, bon, tant pis, j'en prends la responsabilité. Attends, prends la blonde. Oui, je prends la blonde. Décidément, elle est maltraitée, la pauvre. Pourquoi... Ah, bien vu! J'ai même pas vu la pioche. GG! Bravo, il a le coup d'œil, tu vois, ça m'aurait échappé. Bravo! Alors attends, y'a quoi en bas? Jette la blonde! Ouais, mais la vache, c'est dangereux le truc. Mais la blonde nous rejoindra. Là. Ah merde, la sortie par là. Ah, on va se taper l'araignée, ça craint. Oh, il y a une caisse de matos. Attends, vite. Juste le matos. Oh, la blonde est morte, magnifique. Le fantôme est là, on est dans la merde. Attends, c'est bon, on saute par-dessus. Hop. Oui, magnifique, il y avait l'araignée. Ce jeu est impitoyable. Oh, il gère. Oh, magnifique. Oh, bravo. Bravo. Mesdames et messieurs, petit Seb live. Ah, finaise. C'était chaud quand même, hein. J'ai sorti avec la pioche. Ah ouais. Merci pour les GG. J'ai sauvé la pioche, ouais, c'est ça. J'ai tué la blonde aussi. Ben, j'ai voulu sauver la blonde parce qu'elle avait déjà pris deux coups par le serpent. Mais j'ai balancé la flèche en essayant de passer plus loin qu'elle. Mais en fait, le jeu, du moment que tu lances un truc, tout ce qui est derrière le personnage... superposé à lui, se fait tuer automatiquement. Je trouve ça dommage. Et tu vois l'intérêt de l'œil de Kali. Alors la blonde était en bas à gauche, là, pour info. Il y a un marchand en bas, visiblement, j'ai vu une lanterne. Lui, le rayon, s'en fout. Oh, cool. Eh oui, tu m'étonnes. Alors, ouais, t'avais un espèce de pistolet, t'as la photo pour flasher des ennemis, les chauves-souris ils détestent. Merci, tu m'as ramené à la vie. C'est sympa le coup des cercueils pour revenir à la vie, c'est ça très bien. Attention, je prends des risques. Mais ouais, je prends des risques. Pas grave, prends la pioche. Attends, je gère les ennemis là parce que... Merci, ouais, la pioche est super magnifique. Oh! Ouais, j'ai toujours peur des jarres avec la pioche, je m'en méfie. Je vais pas prendre de risque. C'est pas grave ça. Ouais, tant pis pour la blonde, je suis trop descendu. Bah, la blonde, de toute façon, elle était trop loin. Hein, ouais, ouais. On aurait pas pu remonter. Enfin, si, on aurait pu utiliser des cordes. Merci, Kate.
Ouais, merci. Pour le GIGI. Ouais, merci, merci. Alors, j'espère que je vais trouver le cercueil pour te ressusciter, histoire que tu participes au bordel. Bah, il est là. Oui. Il est là. Tu peux récupérer les joyaux avant aussi. Enfin, ça au moins les casser. Je te donne raison. Continue encore. Encore une fois. Et si oui. T'appuies vers le haut, est-ce que tu pètes au-dessus de toi le bloc? On va essayer. Non, c'est à l'horizontale. Exclusivement. Alors attends. Attends. Non. Quoi? Pourquoi? T'aurais pu péter le bloc du joyau pour le faire tomber. C'est tant pis. T'es trop gourmand, j'ai envie de dire. Attends. C'est dur, dur. Oui, mais ça tombe où? Ah non, oula, ça tombe dans la moitié. Oula, c'est dangereux. Alors, n'approche pas les singes. Les singes t'accrochent. Les singes t'agrippent et te dépouillent. Ils prennent ton matos, ta thune, la totale. J'ai rien du tout, donc je peux y aller. Bah non, ils vont prendre la thune. On est en commun. Ils vont prendre la thune. C'est pas ça. Alors les pics de la mort. Oui, ça c'est. J'ai jamais compris ça. Ça t'amortit en fait. Tu peux. C'est un arrêt de chute, mais je sais pas ce que ça fait d'autre. Oh, la sortie en bas. On va pas faire les fous. Attention, regarde-toi. Si tu te mets... Non, mais si tu te mets là... Non, attends. On va pas faire les coups. Fais mieux la pioche que moi, vas-y. Fais mieux la pioche que moi. Tu peux regarder en dessous. Bah, allez, voilà. Merde. Voilà, désolé. Oui, non, mais j'ai bien compris que tu faisais pas ça. Tu prends des risques, petit Seb. Non, mais il est fou, ce garçon, il est fou. Ah, merde. Ouais, dommage. Non, mais c'est parce que en fait, avec la pioche, tu peux plus taper en sautant. Ah, Bah oui. Tu veux aller sur la droite? Bon, je vais aller voir, vite fait. Oh, il est fou ce garçon. Non, Boomerang. C'est bon, on se casse. Oulala, bon, on se casse. Monsieur Boomerang, c'est non. Attends, parce que je fais un truc. Moi aussi. Ah, mais ça y est, il est mort. C'est ça. C'est marrant, on en voulait au sadomasochiste. Il payera pour tous les autres. C'est beau l'équité quand même, un meurt puis après c'est l'autre. Ouais, mais c'est une mécanique de jeu, tu vois, que je découvre, Katz. Je suis habitué à le faire en solo depuis un an et quelques. Et de le faire avec Petit Seb en multi... Oh, c'est trop bizarre. Enfin, en mode jouer ensemble de Steam, c'est trop bizarre. Comme si on était... Comme si Petit Seb était dans mon salon, quoi. C'est ça la logique. Ouh la vache, j'ai eu peur du machin. Oh bah il va mourir lui. Oh t'es fou. Il est fou, petit Seb, il est fou. Non, trop dangereux. On peut peut-être se barrer en bas. Non, oh il est fou, je l'aurais pas fait. Qu'est-ce qu'on fait? Ok, je te suis. C'est petit Seb qui prend les initiatives. J'ai quoi? J'ai la jarre. La jarre, il n'y a rien. Tu la sentais comment là? On passe par où? Oh merde! Moi je peux plus. Reste où t'es. Reste où t'es. Voilà. Bien! Joli, très joli. Attention, les grenouilles oranges elles sont explosives. Elles prennent un coup et elles explosent au bout d'un certain temps. Ah merde, c'est dommage. Mais non, faut résister à la tentation. Oh merde, elles sont deux. Elles vont se prendre le tifi, ça va péter. Je crois. Ah merde. Ou alors je les gère. Tu me laisses les gérer? Merde. Ouais, je te laisse les gérer. Priez pour moi. Elle se prend pas. Il faudrait que t'arrives à en taper une et puis passer à droite, quoi. Merde. Ah, ça se passe mal. Ouf, ça se passe mieux. J'ai perdu qu'une vie, je crois. Oh, mazette. Oh la vache, le saut que t'as fait. Non, là, c'est la mort. Là, il y a trop de tipi. Merde. Oh bah, là aussi, c'est la mort. Ouais, mais j'ai glissé, chef. Ah, on récupère mon matos. Faut absolument que tu récupères mon gros sac. Tant pis pour la bombe. Ouais, non, mais tant pis pour la bombe. Ouais, prends la pioche. Ah oui, il récupère l'œil de Kali, c'est super important le pouvoir de la DS9.
Ouais, t'as les bombes, donc c'est bien, tu vas créer un chemin avec les bombes. Avec les pioches. Très bien. Pas très bien, je dis plus rien. Oui, il est cool ce jeu. Ouais, il est cool ce jeu. Oh la vache! Il tente la totale! Oh là 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 là! Oh là 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 là! C'est pas dur. La bombe, la pioche, il va le faire. GG! Voilà. Bravo! Non, on va finir par atteindre le niveau des glaces que je connais très mal. Ah ouais, hein, c'était beau, Nash. Nash qui dit GG. Merci pour le GG. Il apprend vite, petit Seb, il est très très fort. Je veux être chuchoté, s'il vous plaît. Merci. Ouh, le piranha. Oh, il y a une grenouille bombe. Ça peut être drôle, si on la gère bien. Ouais, bien. Ah, c'est dommage que le piranha soit pas mort. Oui, c'est toi, Kalmatos, ouais, c'est bien, tu t'es géré. Attends, on regarde en bas. Oh là, c'est le bordel en bas. T'es sûr? Ouais, si on va à droite, c'est bon. Ouais, on peut gérer, on peut gérer. C'est surprenant que l'escargot n'ait pas compté. Hop, hein. Putain. Merde. Mais quel... Merde. Attends, attends. Non. Ah. Reste là. Je bouge plus. J'ai peur, au secours. Si t'es rapide, tu peux passer au-dessus en t'agrippant. Ah, dommage. La pioche est intéressante. Attends. Attends. Merde. Oui. Merde. Oui. Voilà. Déjà là je me sens mieux toi. Bon le mec a boomerang, faut pas qu'il me voit. Ah il y a une bombe qui est honteusement prostituée. Voilà. Alors. Merde, ah oui merde, non, non j'aurais pas dû faire ça. C'est vrai. Mais bon. Ah on va y arriver, on va y arriver. Je suis sûr qu'avant 13h, peut-être même midi et demi. Je streamerai pas jusqu'à cette heure-ci, ça, je pense, aujourd'hui. Mais je sais pas encore, hein, ça va dépendre. Mais Oui, je sais pourquoi, mais t'inquiète pas, y a pas de soucis. Mais franchement, on était pas loin des cavernes de glace, mais c'est moi qui ai mal géré. Tu gères déjà mieux que moi, donc GG, respect. T'as assimilé beaucoup plus vite et mieux que moi les règles du jeu, très bien. Très bien, très bien. Mais on peut y aller. Ah, la bombe. Ah! Déguisé, chef. Peux regarder vers le haut, s'il te plaît. Et encore, je suis tellement bas que tu vois rien. J'ai dû monter à la chaîne. Oh mon pauvre, je suis désolé. Allez, la bombe. Vas-y, fais le diadème. Aïe, 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 dur. Attends, s'il n'y a pas de pique, la blonde peut... Ouais, là, voilà, peut descendre. De toute façon, on va faire pareil, moi, je crois. Avant que tu vas y aller... Non, mais on est d'accord. Oh. Hop là, ça amortit ma chute. Merci, c'est apprécié. Oh, le vilain. Le vilain. Oh, le pauvre chien. Le petit chien, ça... Mais tu veux le crâne? Ah oui, non, tu flattes trop, ouais. Il maltraite le corps de son pote, mort au combat. Oui, il est mort au combat, oui. Je suis toujours en vocal, hein. Je fais vœu de silence. Ah oui, oui, merci Nash. Oui, c'est vrai. Ah, tu peux commenter, hein, si tu veux. Moi, ça me dérange pas. Hein. Oui, ouais, je te fais confiance, Nash. Mais, Oh, vache. J'ai tué un truc. Waouh. Ah ouais, c'est... J'ai tué un truc, j'ai déclenché les deux pièges. Très fort. Oui, vu la confusion de ce matin, moi. Attention. Non, je gère. Non, c'est toi. Non, ça, c'est moi. Oui, bref. Alors, en bas. Qu'est-ce qu'il y a? On va laisser le rebord. Ouais.
Le rebord. T'as vu quelque chose? Tu veux tenter la jarre? Attends, moi je peux aller là. Ça va, t'arrives à voir. Merde, j'ai un squelette moi. Ah! Hop là, voilà. J'entends la blonde. Oui, vas-y. Oui, la blonde. Oh! Oh, il y a la clé! Merde, c'est intéressant. Merde, il y a un marchand en bas. Ah! Il y a le coffre aussi. Et il y a l'hôtel de Cali au-dessus. C'est la caca. Il faudrait qu'on essaie de repasser au-dessus et de passer. Non, mais on peut passer là. Hein. Faut arrêter. Le marchand il est en bas, mais il est pas. Attention, je joue ma bombe. Ouais, je vais sauver la bombe. Voilà, fais le coffre. Énorme. Très très bien. Attends, À ce point? Ouais, mais attention, on a plus de bombe. Il y a les pépites en même temps. Oui, c'est vrai qu'on peut les acheter en bas. Tu as raison. Je te donne raison. Ouais, bon là c'est abusé quand même de faire usage d'une bombe. Attends, j'aimerais voir en bas si je peux lâcher la blonde. Je peux lâcher la blonde. On tournera en bas, on verra, il y a sûrement des trucs. Merde, putain. Si tu reposes, ah oui, il est peut-être pacifiste. Ah, t'as une tolérance. Alors moi, faut pas que je fête les marchands. Voilà. Attends. Ah, je savais pas qu'il y avait une tolérance, t'as du bol. Mais je peux plus rien acheter quand même. Ah ouais. Mais non, t'as acheté des trucs. Alors attends, la bombe elle est en bas maintenant. Tu vas aller voir, oui, il y a quoi là? Ouais, non, c'est nul. Faites deux joyaux. C'est nul, ouais. Alors, attends, on aurait la pioche, non. Parce que c'est la figure du côté là. Voilà. Je gère la bombe. Est la sortie? Tu gères. Elle est là, la sortie, je pense. Ah oui. Hop là. Ah, comment je lui ai atterri dessus? Moi, je t'ai laissé la blonde, t'avais un peu vite moins que moi. C'est gentil, merci. Il faut qu'on gère ça aussi, faut qu'on regarde quand on est tous les deux vivants qui gère la blonde pour. Ça a pas duré grand monde. Ouais, mais on l'a bien géré, c'est. Waouh! Ah, merci pour les actes de fidélité. Meilleurs vœux, bisous tout le monde. Hein. Merci. Je suis. Bon. Non, je pense pas que ça vaille le coup. Il y a un scorpion en plus, c'est trop dangereux. Mais ici, il y a. Attends, laisse-moi faire. Ouais, je veux bien. Sérieux? Bah oui. En fait, là, il faudra que tu descendes, que tu fasses un petit saut pour loger ta bombe dans la toile d'araignée. Et là, elle va morfler. Il faut que tu sois certain de réussir à loger ta bombe dans la toile d'araignée. Mais faut pas assommer l'araignée, parce que sinon elle va se réveiller. Descends à droite, tu vas pouvoir. D'accord. Ah. Mais t'as vu. Ouch. Tant pis, on fout la merde. Adieu, petit Seb. Non, c'est bon, c'est l'arrêt des copines. Merci tout plein pour cet acte de fidélité. Je suis tombé, je sais pas où je suis. Ça fait chaud au cœur. Bienvenue. Attends, j'ai un scorpion qui me débrise là. Oh merde, oui. J'ai loupé la statue. Oh non, c'était tellement de thunes. Merci. Ouh, t'as libéré le scorpion, garde. Ouais, mais c'est pas grave, j'ai récupéré ça. Ouais, on se barre à droite. Alors, oh bien, la sortie est là. Très bien. Ouais, t'as mis bien. Attends que je mette le truc avant de sortir. Oui. Non, mais je sors pas. Wow. Il y a une bombe, il y a de la thune. Attends, le boulet, le problème c'est qu'on peut le relancer, mais ça va écraser la bombe. Faudrait qu'on arrive à passer au-dessus. Attends, je gère. Ouh, j'espère que ça va pas tuer la bombe. Ah, sauf si je fais comme ça. Hop. Par contre, va chercher l'argent qui est là-bas. Ouais. Déjà. Voilà, c'est bon, on revient. Mais attends, non, je vais mettre non, là. Non, je sais. C'est bon? Ouais. Je fais le sacrifice là. Tiens, pour rigoler. Parce que tu fais comment pour le relancer, lui? Une bombe. Attends. Tu mets une bombe au pied du boulet et il repart. Oh,
Non mais il abuse, oh là 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 là. Vas-y. Il est cupide. Je suis pas cupide, tu nous donnes des chances au niveau de l'argent pour aller plus loin. Merci pour ton raid, Momoka. Ah, bonjour, meilleur vœu, Momoka. Bonne année, bonne santé, plein de jeux dans l'année. Comment ça va? Tu étais sur quoi, Momoka? Oui, on gère la blonde, ouais, bizarre l'ambiance, c'est ça, Kat. Qu'est-ce qu'il y a, Nacheman? Pico Park, 15h-18h. T'es prêt? C'est toi qui dois avancer. Hein. Ah d'accord. Non mais je voyais que tu gérais ton chat et que tu saluais Momoka. Et j'attendais. Oh oui, mais... Alors, cher de poule. Je peux faire ça. Oh, attends, c'est pour moi. Oui, t'inquiète. Ah, bah, non. C'est moi qui ai les cordes. Oui, c'est toi qui as les bombes. Oui, c'est rigolo, tiens. Alors, attends. Ah, moi j'aurais... Oui. T'aurais fait ça comment? Oui, on n'a oui, rien oui, pour oui, lancer. Oui, oui. Oh la vache, oui, voilà, pour voir le truc. Ah, ouf. Ouf. Ah oui, toi t'es dans l'étoile. Sinon, si tu cours, t'arrives de l'autre côté, mais tu risques de déclencher. Ouais, non, c'est... je voulais me raccrocher au bord, mais j'ai merdé. Attention. Ouais, ouais. Et là, il y a la flèche qui tombe. Et... ouais. En fait, t'as déclenché les deux araignées qui étaient au-dessus, mais le piège a tiré et... Enfin, ouais, une araignée, ouais, et du deux, coup, ouais. Ouais, s'est fait défoncer. Le piège est hyper rapide. Ah, il y a un site de maison en bas. Attends, je regarde en bas. Oh merde, c'est vraiment la fosse aux araignées. Elle est pas en haut, la bombe? Waouh, je l'avais pas vu, celle-ci. Ouais, non, c'est redoutable. Attends, j'ai l'impression que la bombe est en haut. Non? Bizarre. Bizarre, bizarre. Elle est pas en haut, en haut? Ah non, elle est pas en haut, en haut. Elle sera en bas? Bon, bah on descend. Ah oui, tu vois peut-être que je... Attends, je vais lancer le sadomaso. Attends. Ah non, non t'as lancé, bon. T'as réussi. Merde! J'ai glissé, chef. J'ai merdé ma descente. Oh, le con. Bah, c'est bien, t'as tout le matos. Ah, la blonde était en bas. C'est moi ou il y a un espèce d'œuf derrière l'araignée? Oui. Alors, c'est des poches de fil d'araignée. Tu peux libérer des trucs. Ça peut être un ennemi comme ça peut être un objet. C'est totalement au hasard. Comme il peut y avoir des poches vides. Hein. Ça peut être vide. Oui, ouais, ouais. Oh, pas mal. Est-ce que je peux la gêner, elle? Attends, bouge pas. Oui. Je saute encore par là, encore un peu. Mmh. Voilà. Merde, elle est revenue. Ouais, ouais, elle est agile, la vilaine. Elle est agile. C'est pas évident. Ça peut être un mob comme ça. Ouais, ouais. Oh, bien. Oula, attention l'araignée. Ouais, j'ai réussi à jarter l'araignée. Ah bah non! Non! J'ai appuyé sur la touche pour rentrer dans la porte en plus. Oh non! Ce sont des choses qui arrivent. Bon allez, on essaye d'en faire une jusqu'à la troisième zone que j'ai pas encore découverte. Ouais, la zone de glace, ouais. Que je connais très mal, hein, j'y suis allé que deux fois. Ça démarre fort. Il n'y a rien au-dessus. Hop là, il n'y a rien là non plus. Oui, au-dessus. Non, c'est plus moi qui dirige, c'est vrai. Oui, c'est triste. Hein. C'est difficile. Qui là, bon, là, il n'y a rien. Ah, vilain. Ah, on a fait peur. Oh, désolé. Ah, attends, je vais tester un truc. Pardon. Je me mets dans ce sens-là. Il va visiter. Oula, je vais me prendre dans la gueule. Bien joué. Ouais, si tu regardes vers le haut, il le lance un peu plus en hauteur, le coup. Mmh, bien vu, bien vu. Ah, il y a juste un... Oh, intéressant. En bas, il y a quoi? Oh, il y a la blonde! Faut essayer de joindre la blonde qui est en bas. On peut peut-être le faire naturellement. Oula, 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 on se calme. Merde.
Alors, tu veux aller à droite, visiblement, tu veux la totale. Oui, tu veux t'amuser à avancer déjà. Je récupère ta flèche. Allez, fais-toi plaisir. Oh, joli! L'autre, c'était une araignée. On aurait su qu'elle aurait pu déclencher le piège. Alors la blonde, où est-ce qu'elle est, la malheureuse? La blonde, elle est à droite, mais si tu tombes ici, tu pourras pas revenir. C'est vrai. Chute la corde. Ouais, ah, ouais, ça vaut le coup, là, non? C'est vrai. Ouais, vas-y. Ah, merde! C'est pas la bonne pas ça. Oui. C'est pas grave, ça nous permet de remonter. Oui. C'était vrai. Calculé, en fait. Oui, oui. Mais c'est bien, c'est bien. Je te laisserai la blonde parce que... Ouais. Plus beaucoup de CV. Oh, près de ma blonde. Ah, merde, il y a une chauve-souris à gérer. Alors attends, en bas, c'est pas... Non, c'est pas piégé. Non, je peux pas faire comme ça. On l'a pas pu. Oh, excuse-moi, je t'ai foutu le lance-grappin dans la tronche avec la corde. Merci, merci. M'attendais pas à ce que tu descendes au même moment, tu vois. Je suis navré. Oui, il me faut un objet, un caillou. Là. Ouais, merci. C'est sport. Bon app à ceux qui passent à table. Bon app. Ouais, ouais. Auprès d'un avion, très bon. C'est bon ou elle a un œil au beurre noir? Pardon? Un œil au beurre noir ou ça? Je mets la blonde, on dirait qu'elle a un œil violet là. Oh. Non, c'est ses sourcils, ouais, je sais pas. Oh, qu'est-ce que le coffre verrouillé est déjà là? Lui embarque le coffre. Mais si on trouve attends, la clé. Attends, il n'y avait pas la clé là? Bah, faut vérifier. Ah non. Elle est forcément dans le niveau, mais elle peut être n'importe où. Elle peut être n'importe où. Ah oh, la blonde est en haut. Je vais chercher la incroyable, blonde. Mais ouais. Attends, non, on va faire comme ça, on va faire comme ça. Bien. Merde, j'ai pas vu le piège. Je l'ai pas calculé. Merde. Attends. Bouge pas. Ah, attends, on attend qu'elle tombe, elle. Voilà. Oh, c'est bien. Oh la vache, elle est tombée dans les pics. Ouais, mais... Quoi? T'as vu où était ton coffre? On peut plus le récupérer. Si on... Ouais, c'est risqué. Attends, il faut qu'on aille voir s'il y a pas la clé par là-bas. Ouais. Merde. Moi aussi. Oh putain. Wow, c'était quoi ça? Je vais jamais demander d'aller à droite, moi. Pardon, j'ai failli m'en étouffer là. C'est, c'est énorme. Vengeance. Tu voulais faire quoi? Est-ce qu'on peut monter au-dessus? Non, c'est pas intéressant. Non, je pense pas que... Non, pardon, je te rejoins. Oula. Oui. Oh là là, il y a de choses à faire péter ici. Vas-y, bah si tu mets une bombe là, ça nous libère le coffre et la blonde. Espérons. Bien vu. Bon, je prends la bombe. Alors en bas, il y a quoi? Ah, intéressant. On va qu'on trouve la descente naturelle. Hop là. Bon, l'araignée, on la snob. Tu es redoutable. Merde, la blonde. Oh. Attends, je l'ai juste attends. Ouais. C'est le marchand en dessous? Non, je crois pas. Non, j'ai pas vu de lanterne. C'est lanterne qui me donne... C'est la sortie. Ouais. Ah, chauve-souris. Oh, bien. Batman. Ah, il y a des cabrioles à faire pour avoir de la thune. Yeah. Je suis comme ça qu'on fait. Oh oui, cadeau. Sans Anthony qu'on embrasse, mais cadeau. Alors. Ouais, Tunas dans le ruban, ouais. Les trois lingots. Bien.
Bon, bah, on a écumé le niveau proprement pour le premier tableau. Allez, on y croit. Oui, ça arrive si vite. Ah non, mais c'est terrible, Kat. C'est terrible. Et encore, là, c'est gentillet, c'est le premier monde. Mais déjà, la jungle, je les ai là. Et après... Parti en cacahuète. Ah ouais, le monde des glaces, je connais pas. Donc, je l'ai fait que deux fois et j'ai... En plus, le niveau des glaces... Oh, le double. Le monde des glaces, il a une particularité qui est horrible. C'est-à-dire qu'il a pas de fond. C'est-à-dire que si tu loupes la sortie, qu'elle est pas tout à fait en bas, si tu peux pas remonter, t'es condamné à mourir dans le vide. Et le jeu est fini. Donc, non mais le jeu, c'est un jeu de baboule. C'est un jeu d'acharné. Tu peux te baisser pour voir ce qu'il y a en bas, oui, là. Tu viens. Là, il y a un peu de thunes. Là, il y a un truc à pousser. Mais on peut passer par au-dessus, non? Ouais, c'était une corde. Ou si tu fais un joli saut. Oui, en faisant un joli saut, ça passe. Pas besoin d'un saut, suffit de courir. Bravo, bravo. Très bien, ça nous aidera à atteindre l'échelle. Vas-y, je te laisse faire le... voilà. C'est propre. C'est propre. C'est beau, c'est beau, c'est propre. Alors, en bas. Ouf. Oh, bah alors merde. Putain, oh. Mais ça me fait chier que ça passe pas devant toi, quoi. Oh, le vilain. Agression de partenaire, c'est un scandale. Oula, comment on gère le truc? Regarde à gauche, là, s'il te plaît. Ouais. Non, ouais. Faut qu'on creuse. Tu le vois comment? Ouais, on peut plus remonter au-dessus, hein. On est d'accord. Ouais, mais avec deux bombes, on a la bombe et on a de la thune, hein. Oui, oui, oui. Ah, mais de toute façon, oui. Mais attends, viens sur le côté. Non. Ah, putain. Pourquoi? En fait, je voulais le faire plus haut, mais bon, c'est comme tu veux. Ah non, là, je pense qu'on peut... Merde. Ah. La vue, la... chef. Bon, bah, voilà. Merde. Ah, c'est moche. Merde. Bah oui, moi, je voyais plus rien. Je pouvais pas bouger, sinon je tombais. Je sais. Ah, c'est terrible. C'est terrible. Alors, tout n'est pas perdu, mais on est dans la merde. On n'est pas à la sortie. Hein. Ouais. Tu peux placer une bombe là, mais si laisse ta blonde ici. Ouais. Laisse ta blonde ici et place une bombe. Oui. Oh. Mais pourquoi là? Bah, parce que. Tiens, tu vas me suivre, mais... même dans la mort. Ouais, bon, d'accord, t'as pas compris ce que je voulais dire. Non. Merde! Ah merde! Je pensais que je m'accrochais automatiquement. Donc j'ai tout faux, tout va bien. Tu sais que c'est le fantôme. Voilà. Non, pas ton cadavre. Pardon, excusez-moi. La blonde, s'il vous plaît. Oh, il y avait un marchand. Hop là, voilà. Il va se faire tuer par le fantôme. Hop, hop. Vite, vite, comment je pose le truc. Ouais, je l'ai. Merde. Oh, 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 j'ai déclenché en panique une corde. Tu peux rien lui faire au fantôme de la manette. Ah oui, bonjour Cinéane, meilleur vœu, bisous bisous. Ah bon, ils sont ouverts le jour de l'an, eux. Je lis Cinéane qui parlait dans un restauration rapide. Ils sont ouverts tout le temps. Ah bon? Eh ben non. Presque, hein. Regarde en bas. Pour voir si tu as... Ah, il y a un accès sur la droite. Ouais, là, ouais, c'est il y a la clé. Ouais, il y a plein de trucs. Oh merde. Oh, c'est tentant de mettre une bombe là. Ah oui, un corde. Bon, de toute façon, il y a des pépettes. Donc je rentabilise la bombe. Attends, oh. Bouge pas. Oui. Attends, là, on met deux. Voilà. Oh. Oui, si tu veux. Plein de thunes. Oui, je peux. J'ai culotté, mais je peux. Merde. Ah, j'arrive pas, les cordes, j'arrive pas à les gérer. Alors là, il faudrait que je fasse un truc propre. Là, il y a une pépite. Là, j'ai une assurance vie. Le serpent me fait C-H-I-E-R. Là. Mais la clé sert de projectile aussi. Oui, attends, la caisse, la bombe. Alors, la bombe. La bombe, il y a Capri qui ne tombe pas dans des pics. Oui, c'est bien. Il y a une cavité. Oh! C'est tellement tentant. Mais le problème, c'est que la clé, c'est tout, en fait. La clé, ça vaut plus.
Balance-la en bas. Ouais, ouais. Ah, regarde. Au-dessus avant. Non, tant pis. Ouais, non, il n'y avait pas de danger, j'avais pas eu d'araignée. Tu sais que t'aurais pu lâcher la blonde et aller chercher le flingue après. Ouais, mais j'ai la clé, donc c'est trop de trucs. Je perds trop de temps. Ah, je peux te ressusciter après. J'espère que la blonde va bien tomber. Ouais, visiblement, elle est souriante. Elle a failli se faire choper par le cobra, mais... Oui, il y a un risque. Il y a un risque. Tiens, merde. Je pensais pas que la clé allait valser si loin. Alors, attends. Gaffe, il y a une chauve-souris qui s'est réveillée, là. Ouais, ouais, ouais. Merde! Ah, je lui ai tourné le dos, bordel de cul! Si t'allais me ressusciter. C'est pas vu au programme. Attends, pourquoi j'ai pas vu le coffre, moi? Alors attends. Mais c'est pour ça que je te dis de me ressusciter, qu'on puisse chercher tous les deux. Attends, je sais plus courir. Comment on court? Ah, c'est comme ça. Je perds pas du temps. Merde! Je panique, je panique. Je panique, je te ressuscite. Reviens-nous, vite la blonde. On peut le faire, on peut le faire. Attends, tu vas-y, prends la blonde, emmène-la et sors. D'accord. Vas-y. Attends, il va venir là. Hop là, je le feins. Ouais, tant pis pour le faire. Wouh! Wouh! Oui, la clé est partie vers d'autres yeux, ouais. Oui, j'ai tué le cobra. Non, mais c'est dur de prendre des décisions, d'avoir les bons réflexes, hein. Je comprends quand en tant que spectateur vous dites mais merde pourquoi il a pas fait ça. Déjà que vous voyez que petit Seb a vite assimilé et puis une critique effectivement dans mes choix je conçois. Mais Non, c'est pas une critique, c'est juste que voilà. Après on a chacun notre façon de faire cette bah, mais oui. c'est pour ça que le chrono avec le fantôme me fait chier, parce que tu peux pas fouiller comme tu veux. Bah, et je trouve ça vraiment dommage. Et pourtant c'est presque la règle numéro 1 du jeu, quoi. T'as 2030 par tableau. Oh, il y a un truc en bas. Oh, bah, des choses intéressantes. J'ai mis ta bombe. Oh oh. Crap. Ouais, alors là. Ouais. Attends, merde. Ah putain. Dommage. On monte la vue au pire moment. Ouais, je suis désolé. Je regrette. Je regrette. J'espère que le 2, c'est. Faut que je regarde si le 2 c'est de la coop locale ou pas. Ouais, oui, on regardera l'occasion. Mais le 2, je peux regarder pendant que t'es. Pendant si que tu veux, pars. Oui, oui. T'es en fantôme. Mais c'est pas grand chose. Alors, attends. Je vais prendre un max de bombes. Hop, j'achète. Alors, c'est pas une kit de. Je connais pas du tout, je l'ai même pas regardé quelque part le 2. Coopération en ligne. Mieux. Pourquoi il y a du multi en ligne, c'est ça? Oui. Ah. Oui, ça veut dire que tu peux jouer si deux joueurs ont le jeu, ils peuvent jouer en ligne. Et ça sera mieux que. Oui, que le jouer ensemble du. Ouais. Je prends un peu de temps là, je prends des risques, mais comme j'ai tellement de bombes, je peux peut-être me faire une nouvelle excavation là et sauter. Je pense. Voilà. Hop. Oui, surtout qu'il y a le scorpion de la moitié. Je sais pas si ça vaut. Moi, je serais toi, je me serais barré, mais. D'accord. Mais surtout vu la quantité de stuff que tu as, t'as 30 bombes et 6 cordes, en vrai, on est bien là. On est bien. Faut juste que je puisse te ressusciter. J'aime bien, c'est un cadeau, mais tu l'achètes. Ouais, c'est peut-être parce que c'est la période de Noël ou qu'on joue en deux joueurs, peut-être. Je sais pas, c'est vrai que c'est bizarre, ouais, c'est le cadeau que t'achètes et que tu déballes toi-même, ouais. Je reconnais que ça s'appelle s'offrir un cadeau à soi-même. Naze. Tu peux... T'es bloqué, c'est ça? Est-ce que tu peux souffler le froid dessus, sur son dard surtout? Voilà! C'était Spell Lucky et je vais cuver. Tu peux pas poser une bombe ou un truc comme ça? Bah j'ai qu'une vie alors. Bah je veux bien essayer. Mais vas-y, lâche une bombe. Ah mais non, mais tu vois, elle est collante. Adieu. Ah oui, t'as une collante. Moi on aurait essayé.
Ce jeu est cruel. Alors, la guêpe, c'est terrible à gérer, mais une fois que t'as buté toutes les guêpes, dans leur nid, il y a du nectar. Et le nectar, si t'en bois, tu gagnes 7 vies. C'est énorme. Mais faut atteindre le nectar des abeilles et guêpes, là. Enfin, c'est attends, pardon, quoi Non, ça vaut pas le coup. Voilà, c'est trop technique, là, petit Seb. Non, y'a rien. Oui, je... Oh, merci pour les clips, merci. Oh, j'adore. C'est... Oh, le malheureux, tu t'es pris la flèche dans la gueule. Oui, surtout, je me suis pris le rebond, je me suis pris la flèche. Hein. Ouais, ouais. Comment j'ai la blonde. Oh, prends ma blonde. Je vais péter la caisse et je me barre. Tu... Pourquoi faire? Ouais, non, c'est dangereux. Pour mauvais maintenant, j'ai envie de dire. Oh, merde. Attention. J'ai de la chance. Ouais, 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 j'ai du bol. Oh, chauve-souris. Gauche-droite. Ah, merde. T'es en train de mourir. Ouais. Ah merde. Ça me fait chier, on fait n'importe quoi. Ouais. Non, alors j'étais le même petit ça, set, tu mais... veux être loin, voilà. Hop. Vas-y, tire-toi. Ah oui, un petit peu de tunage quand même. Ouais, un peu kappa, ouais, c'est ça, Katz. Ah ouais. Oui, souffler sur le tard, oui, c'est ça, Nash. Sorti de son contexte, c'est très étrange ce qu'on est en train de dire. Tu m'étonnes. Et pourtant, j'ai soufflé sur son dard. Hein. Ouais, fallait essayer, fallait essayer. Ah ! Mais il est fou. Il est fou. Attends, je vais aller côté opposé. Il y a quoi côté opposé ? Ouais, c'est mieux. C'est mieux. Ah tiens, je suis là. Attention, petit Seb. Réincarnation. Ah, on avait la blonde au-dessus. Dommage. Ah merde. Oh, elle est mal foutue, la blonde, là où elle est. Mal foutue, la blonde, ça parle mal. Il faudrait mettre une corde ici. Ouais, allez. Si on veut aller la chercher. C'est ça. Et une bombe juste sur la croix, là. Non, je serais allé en non, une bombe. Parce que tu peux être ce qu'il y a au-dessus et tu peux passer la merde. Chercher. Pardon. Je sais. Ah, les cordes, j'ai germain. Tu veux là, la case là? Ouais, attends, recule un peu parce que sinon tu sais que ça le projette un peu même quand tu t'es accroupi. Vas-y. Mmh. Ah merde. Hop, je gère la jarre, tu gères le monde. Moi je vais là-bas. Oups. Y'a pas de danger donc ça va, je me permets. Mmh. Hop là. Merde. Oh. Jette ça. Oui, c'est nul. Allez, on descend. Ah! Tout va bien. Tout va bien. La 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 la. Je souffle. Oh, je peux souffler les joyaux et les faire tomber. C'est rigolo. Je te pousse des trucs. Oh, bonne mère. Ah. Il est. Bon, il y a le marchand. Fais-toi plaisir. Well, le idiot mon fantôme. Merci pour la cascade de clics. Oui, m'a foutu la blonde, oui. Oui, elle prend bien cher depuis tout à l'heure, c'est ça, Kat. Disons que... Aïe, aïe, aïe. Mes propos ont dépassé ma pensée. Et j'ai trop raccourci ma phrase. En fait, il y pensait tellement que... Putain, hé. Vache, ouais. Le trésor plus l'hôtel. Il y a beaucoup de choses là, ouais. La composition de tableau est folle hein, ici. Mais c'est hop, du... On peut appuyer sur la bonne gâchette. Ouais. C'est du procédural dans la conception du niveau. Jeu de dés.
Je vois. Je fais beau. Non. Oh, on sait pas où partir la bombe. Ah. Attends, faut gérer la. Merde. Dommage. Voici, voici un petit chèvre. Je vois, je suis réincarné. Ah. Je crois que oui, je crois que j'avais déclenché le piège en fantôme. C'est ballot. Mais c'est pas grave, ça me va tuer. Plante. Le mal foutu, la blonde, je reconnais qu'il va être collector. J'en rigole encore. Elle est mal foutue, la blonde, la blonde, la blonde. C'est ça. Elle est mal foutue, la blonde, la blonde. Attends, putain. Non, faut qu'on y arrête. Ouais, on va créer un clip, le sage. Ouais. Tiens, je fais cliquer, continuer. Oula, je sais pas, il y a un délai. Bizarre. Non, c'est pas un délai, c'est que comme c'est moi qui ai le drapeau, c'est moi qui décide. Ah oui, exact. Exact, c'est logique, c'est logique. Bravo. Alors attends, oh merde, je voulais voir en bas. On le verra, on verra, on verra. Bah oui, il y a un marché. Ah, la boussole. La boussole veut qu'on se démène à... Ouais, ouais, je te suis, je te suis. Non, bon, ça passe pas. Il y avait quoi, là? Le deux araignées. Mmh. Allez. La boussole, elle vaut le coup. Mmh. Joli. C'est sport. C'est sport, c'est sport. Alors, tu achètes et tu prends pas. Voilà. Pas surtout qu'il voit. Oh, ma zette. Attends. Ah. Et là, je fais une corde. Non. Non. Ah, ça va, tu gères bien. Merde. Ah, oh, je voulais rusher. C'est une mauvaise idée. Oui, je reconnais. J'ai une idée. Puis la blonde, nous, de la TNT, on pourra jamais la libérer. Je sais pas, on verra. Ouais, allez. Oh putain. Non, mais c'est pas possible. Je suis désolé. Hein. Voilà. Le jeu est dur. Vraiment, le jeu est dur. Regarde la flèche. Oui, ouais, ouais. Planté dans la toile, c'est ça. Il est fou, il est fou, il est fou. Alors va gérer la grosse araignée maintenant. Pas mal tenté, mais c'est une maline. C'est une maline. Terrible, terrible. Cette scène est terrible. Il est tout concentré. Trahison disgrâce. T'inquiète, ça va le faire. Message de Fun Fan 1992. Bastos demande petite question, ah oui. C'est vers quelle heure Pico Park? 15-18. 15h-18h Pico Park. Ah, t'auras essayé de lutter. T'as le mérite. 15h-18h Pico Park, les copains. Je profiterai du début d'après-midi pour faire je sais pas quel jeu, mais en même temps faire le bilan. Parce que je pensais éclater en morceaux mon chapitrage, mais je crois que je vais faire une harangue de politicien en un seul bloc en une heure. Mais au moins je serai au clair avec toute la communauté. Pour dire qu'est-ce qui évolue, qu'est-ce qui bouge, qu'est-ce qui foire, qu'est-ce qui tout. Il enfin, n'y a pas grand-chose qui foire. Un petit peu non, les greffons de Minecraft. Oui, j'ai merdé, j'ai gâché une corde. Gaspillage. Oui, je sais. Bon. Après, il va me dire faut économiser. Toi, tu sais économiser, moi je suis dépensier. Recule. Ouais, je me suis barré. Ah. Bien vu. Oh putain, on aurait dit merde. C'est horrible. C'est horrible. Oh là là, le chef. Oh le chef, il m'a fouetté, il m'a lancé dans les vides. A fini, oui. Ah, j'entends une onde. J'ai vu des joyaux devant. Regarde au-dessus. Au-dessus, ouais. Ah, on va passer. Échelle.
Échelle, échelle, on sort de l'échelle et on regarde. Je pense qu'elle est là-haut. Merde, ouais, je voulais voir un peu au bord, mais j'ai merdé. Je te suis ? Non ? Bah, on va essayer par là-bas, non ? Essayons par là-bas. La gauche est d'une pauvreté extrême. Regarde en bas ici, non ? Alors, en bas ici. Ah ! Oh, ouais, c'est bon, c'est intéressant. La lecture du tableau. Ah oui, alors faut balancer la jarre ou je sais pas quoi pour. Aïe, pauvre monde. Ça va, elle a eu un coup, elle peut survivre. Elle peut survivre. Ouais. C'est pour moi parce qu'il me manque un PV. Ouais, vas-y, vas-y. Valide, valide, valide. C'est bon. C'est bien géré. Toi, tu passes et moi, je me prends le bisou. C'est rigolo. Ouais, c'est rigolo. Je connaissais pas la règle. Ah oui, le carnage de petit Seb. Moi, je suis arrivé les mains dans les poches. Oh, ouf. Oh, 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 oh. Je vois pas de quoi tu parles. Hop. Putain, je l'ai pas vu avec le... Ouais, ah ouais, ouais. J'ai tellement envie de le prendre, ce Calis. Ah. Ouais, il y aura une entrée en dessous, on verra. T'es sûr ? Je serais tenté. Oui, ouais, c'est vrai qu'on a pas beaucoup de monde aussi. Après, sinon, on en pose une ici pour faire deux trous en dessous, mais... Ah, ouais. Allez, on gagne du temps. Allez, je prends la décision. Attention, ne pas déranger la statue, parce que sinon c'est la merde. Je gère la blonde. Tu gères tout. Allez, vas-y. Tac, 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 tac. Nickel, t'es un chef. Hop là. Alors, en bas. Il va falloir sauter de toute façon. Ah, tu vas aller là-bas, toi. Oh la vache. Oh, t'es sûr ? Oh, mais il est fou. Il est fou. Marchand, est-ce que tu veux acheter... Ah oui, la boussole, faut acheter la boussole. Merde, il y a un foutu squelette. Voilà. Ou tu veux que je gère les achats ? Ah, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a que celui qui a le drapeau qui peut acheter. Ah, je savais pas. Alors, attends. Mais moi non plus. Je te laisse gérer la blonde. Ouais, vas-y. Vas-y. Alors, attends, on va acheter la boussole. Voilà. On va acheter des bombes. Voilà. Oh, pardon. C'est bizarre, je croyais que t'étais pas à portée de mon fouet. C'est étrange. Merde. Oh, je l'ai touché. Oh là, nul, le mec. Tu peux regarder vers le haut, s'il te plaît, juste. Oui, pardon. Non, c'est bon. Non, c'est trop balèze. Alors la double araignée elle est pas cool. Oh là là. Ah, fallait bien que quelqu'un sacrifie, j'ai envie de dire. Ça. Tu peux revenir ? Pardon, oui. Merde. Oui, quoi ? Bah, oui. Ah bon ? Oui, oui, non mais on. Tu sais, pour un lingot, t'es sûr ? Mais arrête de l'assommer la pauvre. Oh la vache, il est fou. Oh, il est fou ! Il est fou, petit chef, il est fou. Il est trop hardi, moi je dis. Ah. Ah. Si on saute loin. Oh. Non, faut pas. Faut pas sauter loin. Si tu tombes, ça passe. C'est juste qu'il faut être loin de l'impact. Oh, le stress. Prends juste les lingots, moi. Tu gères les jarres. Ah. Ah. Merci. Vas-y, va déposer la blonde. Ouais, seulement... Reviens un peu. Non, ah, c'est merde. Bon. Non, c'est bon. Ah. Vite. Sors. Non, je vais mourir. Voilà, on est mort. Que dalle. Je survivrai. Viens par là. J'ai merdé. Ah, ce jeu. Bonjour, Yukine. Meilleurs vœux, bisous bisous, merci à vous tous d'être là. J'ai dit que je survivrais. Oh, aïe, ça me requiert trop de concentration. Alors déjà seul, j'ai du mal, mais alors avec un coéquipier, je deviens fou. Vraiment. Ah, mazette. Bah du coup, c'est toi qui contrôle le... C'est bien. Maintenant, c'est moi qui contrôle. C'est toi qui gère. Je suis qu'un fantôme. Oh, attends, j'ai déclenché. Voilà. Oh, la cape en cadeau. C'est intéressant.
l'équipe un cadeau. Petit Seb va devenir un super héros. Il est devenu super viking. Ah, tu peux c'est ça. Si tu rappuies une deuxième fois sur sauter, tu tombes tout doucement. Ah, c'est beau. Hein. C'est bien. Oui, attends, je vais déclencher des pièges peut-être. Ouais. Oh! Ah, j'avais plus qu'un PV. Putain. Ouais, oui, il t'a eu le vilain Cobra de la Muerte. Mais pourquoi moi, quand je fais continuer, ça nous ramène là? Parce que tu fais pas l'autre option qui est celle qui est plus rapide, mais c'est non, non, c'est le bouton X, j'ai bien appuyé sur le bouton A pour continuer. Oui, il y avait l'air d'avoir un diadème, mais sacrifier une corde pour un diadème, c'est pas... J'y crois pas. Non, y'a rien. Je suis pessimiste, petit chab. Bon, vas-y, on va le plus loin possible. Bah, j'aimerais bien, oui, mais... Ah. Tu veux qu'on fasse la descente la plus rapide en ignorant les objets pour, on peut, hein. C'est un risque, hein, mais... Tu veux découvrir le monde des glaces, si tu veux. C'est une stratégie. Sinon, on s'en fout. On est moins regardant sur les... Merde, c'est pas la souris qui a tué le... Oh là, le speedrun Fred Lucky. Oh là là, hey, je vous invite à aller regarder si vous êtes intéressé sur le net. Les speedruns Fred Lucky. Mais non, tu pouvais pas... Voilà, c'est... Comment ça? Oui, merci, bonne année à tous les valeureux camarades. Merci, Yukine. Non, je le fais moi parce que t'as pas les droits. J'aurais dû te le laisser. C'est pas grave, je sais pas perdu. Merci pour le GG, Christine. Le meilleur, après, ça c'est à reste pour. Oui, les messages en synthèse vocale, c'est réservé à ma modération. Évidemment, si tout le monde s'y met avec la synthèse vocale, c'est le boxon, Yukine. Mais oui, merci. Déjà, rien qu'avec les modérations, c'est le boxon. C'est pas faux. Oh! La clé en or! Oui, tu veux la... tu veux tout. Bon, je veux ce qu'il n'y a pas de risque à prendre. Le reste, on laisse tomber. Je conçois. Brrr. Y'a quoi là-bas? Intéressant. Alors en bas, regarde. Ah oui. Oui, attends. Non, merde. Oh, je lance la clé où il faut pas. Si, laisse la clé. Va au marchand. Ah oui, c'est toi qui peux acheter. Alors on achète la boussole. Bonjour monsieur le machin. Tu peux prendre les bombes aussi. Attends, merde. Voilà. Moi je fais plaisir. Tiens, fais-toi plaisir. Oui, c'est tout. C'est très bien. Je reprends la pierre. T'es chaud. T'es descendu au moment. Ah, magnifique. C'est magnifique. Aïe, elle t'a retombé dessus. Bobo. Ouais, mais c'est pas grave, elle m'a pas tué. Par contre, je pourrais pas prendre les deux. Oui, je sais. Y avait quoi là? Ouais. Attends, je vois. Rien du tout. Allez, hop. C'est pas cool. Attends, je vais prendre la clé. Je jette ma flèche. Je prends la clé. Faudrait qu'on aille voir là-bas. Ouais, voilà. Oh, voilà. Ah oui, d'accord. L'œil révèle plein de gemmes. Ouais. Et je crois qu'il est indispensable à la... Ouais. Je crois qu'il est indispensable à la sortie du jeu, l'œil de Kali. Je crois que la vraie sortie, elle est cachée, je crois. C'est horrible. Mais bien, ça fait même apparaître des gemmes ici. Ouais. Non, le jeu est vraiment, il est terrible. Ses règles sont... Brrr. Oui, t'as tenté le coup, Yukine. Bah oui, non, c'est logique. Je peux pas te l'approcher. D'avoir tenté... Mais non, allons. Oh, la richesse de la tunasse.
On regarde en bas. Qui c'est qui a 8 bombes? C'est dommage qu'on puisse pas décaler la vue. Ouais, mais ça aurait pété les. Ouais, la TNT va péter les trésors. C'est tentant, mais en fait, c'est un piège. Enfin, un piège, un gâchis. Je vais quitter la vocale, ne soyez pas inquiet. Ok, Nash. A plus. Attention. Oh. Ah putain, il est trop revenu. Ouais. Mais non. Ouch. Je sais pas pourquoi, mais. Il y avait un mob dedans. Ouais. Tu veux qu'on aille là-bas? Attends. Ouais, on peut aller faire un. Jeter un œil vite fait. Ah oui! Ah oui, je fais, tu fais, ouais, ok. Oh là là, oui, ça aurait été dommage d'avoir ignoré ça. Effectivement. J'en prends ton caillou, tu prends la blonde, ouais. Je reprends le caillou. Comment qu'il trace? Oh mon dieu. Il est fort. Ouais, je peux faire tomber les cailloux. Merde, pas sur moi. Attention, je fais tomber le caillou. Alors, comment t'as géré? Ah oui, t'es tombé là. Je suis juste tombé. Oh, tu veux tenter la roue de la chance? Ah bah non, c'est moi qui ai le drapeau. Ouch. Désolé. J'ai pas le temps de me regarder. Oh, pour des cordes, non, c'est... Ça vaut même pas le coup, c'est un escroc, ce mec. Attends, je prends un caillou. Tu vas attraper à temps? Ouais. Ouais. Bien joué. Non, mais je suis encore là, Dinash. Oui, d'accord. La justice, dit Fanfan. Oh my god. Christella dit, mais ce n'est pas la blonde, c'est le chien. Oui, ça compte pour une blonde, voilà. On lui met une perruque et puis voilà. On regarde le bas. Ouf. On verra, c'est optionnel. Si on peut... Merde, j'ai oublié que c'était un piège. Mon cerveau a... Voilà. J'ai eu un moment d'absence. Et là, t'es dans la merde. Mais... Ah, ils sont chiants, hein. Bien non, mais... Oh, tu l'as planté dans le pic. Bien. Moi aussi, me fais pas chier. Magnifique, il fait tout petit Seb. Je reviens à une blague, mais je vais passer pour le plus gros machiste de toute la création. Oh. Et moi je pleure. Ouais, je suis mort. Tu veux que je pète la TNT? Non, je peux te la péter. Attends, il y a la. Vas-y, pète-la. Ah oui, merde, trop tard. Attends, faut que je descende, moi. Attends, recule. Voilà. Attends, il me faut un projectile, désolé. Oui, non, mais t'es autorisé. Vas-y. Ok. T'es un acharné, c'est bon. Je n'ai même pas passé le scorpion. Attends, je déclenche le piège. Voilà. Oh là là, c'est redoutable ce que tu viens de faire. Est-ce que... Non, mais non, je suis mort. Oui, non, il y a une vie et de la chair fraîche. J'allais dire, ça compte pas. Mon corps peut pas... Ouf. Ouais. Enfin, je me suis raté sur mon saut, là. Ouais, non, mais... La cruauté de ce jeu, hein. Toujours et encore. Bonjour Olive qui tue, meilleurs vœux, bisous. J'espère que tu vas bien. Un chien et une bombe, c'est pareil, on peut leur faire un bisou et des câlins. Tu veux comme ça, oui. Là. Salut. Bravo. Oh, la jungle. Tu vas devoir gérer la jungle. Oui, c'est pas méchant. J'étais au bout d'un moment. T'inquiète pas, j'ai pas été outré, t'en fais pas, Fun. La manage. On va dire qu'on décuve encore du 31. Ça passe.
Oh, j'entends l'eau qui coule. Alors attention, ça veut dire que la sortie est pas si basse que ça, parce que c'est un grand bassin en bas avec un piranha géant. Donc si tu tombes dans l'eau, t'es mort. Faut surtout pas tomber dans le grand bassin. Et la sortie doit être à mi-hauteur dans le niveau. Parce que le dernier tiers de profondeur du tableau, et c'est que de la flotte avec un piranha géant dedans. Oh mon dieu. Merci. J'ai ouvert le coffre, explosé la jarre et tué le grenouille en même temps. Pardon, merde, je voulais pas te fêter. Ça c'était moi, merci. Je veux voir la... Voilà, pardon, je cherchais à voir la grenouille avec le cercueil, je suis désolé. Tu veux essayer de passer par là? Je sais pas si c'est une bonne idée. Oui, il faut pas les toucher les vilaines. Attends, je me regardais en bas mais j'y arrive pas. Ah, parce que je suis pas... C'est moi qui ai le drapeau. Oui, c'est... Oui. Tu regardais comme ça? Ouais, il y avait des caisses, c'est pas intéressant. Ah, t'as gagné un parachute en cas de chute violente. Bon, bah faut sauver la zone. Oula. Bien. Oh! L'œil de Kali réagit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a le marché noir avec le niveau de tous les marchands tout proche. Il faut placer une bombe là où l'œil... Voilà, tu peux placer la bombe là. Ouais, si tu veux le niveau spécial des marchands, ça vaut le coup. On a de la thune. Et on peut atteindre plus facilement les glaces. GG. Attends, je vais faire autre chose. Oui. Je te suis. Pas obligé. Ok. J'ai pas compris ton astuce. Non. Ah putain, ouais. Ça pète donc. Ouais. C'est pas grave, prends le niveau des marchands. Vas-y, okay. Sors. Parce que je voulais déposer la bombe dans la sortie. Mais le niveau des marchands, ça aurait été pareil. Ah d'accord. Ça compte pareil, c'est une sortie. Ah, alors fais-toi plaisir. Qu'est-ce que tu veux acheter? Ah, c'est pour moi ou c'est pour toi? Oui, c'est pour toi. Ah, mais oui. Attends. Avec tes quelques bombes aussi. Tu peux revenir, s'il te plaît? J'ai pas vu si j'ai récupéré le... Non, voilà, j'avais pas vu. C'est quoi ça? C'est un personnage? Alors, je sais pas ce qui se passe. Je crois qu'il pourrait nous aider, mais il coûte cher, hein, je trouve. Non, d'accord. Parce qu'il y a plein de marchands, hein. Il y en a 8, normalement. Aïe. Hein? J'ai pas compris. Qu'est-ce qui est venu jusqu'à moi, là? C'est une chauve-souris. Là, tu peux te faire plaisir, hein. Le marché noir, c'est la déjà. Ouais, mais là, tu vois, les packs de bombes, ils coûtent cher, et on en a bah déjà. Bah oui, il y a l'inflation aussi. L'Ank, en dessous, c'est quoi? Je sais pas. Je crois que c'est un truc important, mais je suis jamais allé assez loin dans le jeu pour savoir ce que c'est. Ah, bon, ok. Je les ai tués, vas-y. Oui, bah j'allais dire, pour le coup, de toute façon, il faut que je récupère ton matos. On n'a pas. Tu vois, c'est 50 000. C'est précieux. Attends, je t'embarque. Bah, ça sert à rien, tu sais bien. Non, descends. Attends, je suis une momie et fesses. Ah, il y a un tiki, c'est pas cool. J'aime pas les tiki. Ouch. Propose quoi, Ah, c'est n'importe quoi. Je veux pas ça. Encore que des cordes. Ouais, ouf. T'en as 4, ça suffit. Ouais, ouais, c'est pas mal. Ah, non, c'est une jarre. Ah, merde, j'aime pas les chauves-souris. Attends. Merde, il m'a fouetté. Et t'as fini de me fouetter, toi? Il a explosé la chauve-souris aussi. Oui, c'est bien. Mais il m'a fouetté, quand même. Attends. Non, oh là, c'est la mort, ça. Je sais pas si... Attends, je peux m'accrocher avec un truc dans les mains. Tchac. Si, tac, si, tu peux. Attends, tac. Merde. Et une bombe. C'est la moelle, capitaine. Ouais, j'ai des bombes, merde. Je prends pas de risque. On veut continuer le jeu, hein. Ah! Je l'ai pas vu. Jette-moi. Merde! Cochonnerie. Attends. Oh merde. Deux une bombe. Merde. Attends. Est-ce que je peux feinter le fantôme?
Bah, en fait, le mieux, ça aurait été de rester en bas et de monter, de sauter par au-dessus, ou alors de... Ou alors d'être au-dessus. Priez pour moi. Ah, passer. En fait, je comprends pas pourquoi tu ne cours jamais. Ouais, je maîtrise pas la course. Je la maîtrise pas. C'est chaud. Hein. Allez, une dernière. Une dernière. Tu vas au marchand, j'échange un viking, parfait état contre 3 bombes. Ouais. La. Oui, je sais pas courir, monsieur Petit Seb. J'ai pas l'habitude de t'aller, moi. Mais c'est bien, j'aurais appris la leçon aujourd'hui. Tu veux quoi? Tu veux l'émeraude? Tu veux le coffre? Peu importe, hein, moi je peux prendre les deux. Hein, oh, sais. Le chef. C'est un chef. Ouais, il suffit de courir. Wesh. Bon, bah, je prends ça en cadeau. Attends, oui, tu veux voir ce qu'il y a en bas? Oh là là, il est fou. Il est fou. On regarde ce qu'il y a en bas. Bah, faut aller là. C'est beau! Mesdames et messieurs, c'est beau. C'est la belle coopération. Oula. Il y a plein de nawenyés. Tu as tué toutes les nawenyés, GG. Ah! M'a fait peur avec ton caillou. Voilà, c'était la vengeance de Petit Seb sur tous les serpents. Il a payé pour tous les autres. J'ai gagné des codes. Ah oui, on peut descendre. Oh là là, le chef! Comment qu'il. Oula, danger. C'est pas fait exprès, mais ça marche. Ouais, c'est stylé. Cheche-t-il-l'œil. Alors, beau gosse, on a tourné dans le film Barbie, monsieur Ken, vous a connu. Ah, merde, j'arrive même plus à sauter. Ouais, heureusement que t'es là. Bon, coup, on m'a vu pour manger, mais bon, c'est pas grave. Ah, on t'appelle pour manger, hein. Ouais. Bah, juste, essaye de passer les menus plus vite qu'on. Oui, pardon. C'est vrai, j'ai le contrôle. Non, mais t'inquiète, après. Oui, voilà. Il y a une marge d'erreur, oui, j'ai compris, t'as un peu de temps. Oui, je sais, que tu m'apprécies beaucoup, Petit Seb, mais. Oh, bon, je. Demande d'affection comme celle-ci, t'abuses. Non, voilà. Non, mais ça va pas, non, mais oh. Tu veux raccourcir la partie plus vite que prévu, là, ou quoi? Ah! Oh, merci. Ça va peut-être le coup, attends. Oui? Oh, 3 lingots. 4 lingots. Allez, je fais. Et toi, tu fais un berlingot. Ah! On a chipé un. Je rappelle que Pico Park aura lieu de 15h à 18h. Alors, chez les copains. Oh la vache. On est obligé de passer sous l'araignée. Voilà. Voilà. Non, je peux pas la souffler, elle est dans les pics, elle. Vilaine. Pou. Ah oui, il y a mon butin, merde. Attends, est-ce que je peux là? Oh, joli, il l'a fait. Il faut pas que je souffle sur le marchand, ce serait un drama. Je serais le drama. C'est le drama de la muerte. Bah, je vais hanter le marchand. Bah, fais des réductions toute l'année, le marchand. Oh, si je jette l'araignée. Ah bah non, elle a déjà... Oui, il y a déjà une projectile. Dommage, ça aurait été rigolo. Mais bon, c'est mieux ainsi. Alors... Ah, raf, le petit. On va faire le chouille en cadeau. Ouais, on s'en fout, on avance. C'est ça. C'est le waf. Et peut-être que dans le niveau inférieur, je vais pouvoir ressusciter si Petit Seb fouette un cercueil. Comme celui-ci. Merci, monsieur. C'est le bordel. Pépite. Il y a des... Oh, vilaine. Voilà. Ouh, il y a l'araignée à l'angle. Ah, attends, qu'est-ce qui se passe, là? C'est moi qui regarde ta gueule. Ouais. Vas-y. Ah, attends, on va faire fondre la... Oh, la cheville.
Je suis. Oui, c'est ça, exactement. Merci. Merci, Toro. Ah merde, je suis tombé comme un con. C'est pas grave. Ah, il y a un coffre en bas, le coffre scellé. Mais où est la clé? Attends, moi je prends le coffre. Attention. Ah oui, le satané. Oui, tu vas aller là. Oui, on peut plus un pour ça, malheureusement. Mais tu l'auras dans ton... Ah! Joli. Oh, joli. Merde, il n'y a pas la clé. Bon, bah tant pis. Ah, c'est ballon. Hein. Attends. T'es sûr? Tu veux? Non, non. Écoute. Je l'ai. La blonde, mais... T'es sûr, c'est par là. Ouais. Sauf que de ce côté-là, on pourra pas remonter, donc il faudrait qu'on, oh, la vache, faudrait qu'on retourne vers l'araignée si on veut la clé. Ok. T'as vu la clé? Moi, je l'ai pas vue. Non, je l'ai pas vue. Ah, merde. C'est pour ça que je la cherche. La vache. Sur le côté, peut-être, non? Ah, tu veux qu'un... Okay. Non, t'as raison, ça doit être sur le côté. Ouais, il y avait rien? Oh merde alors. Attends. Ah, désolé. Recule, je vais faire. Ah ouais, tu vas tout faire péter. Mais non, pas encore le bon truc. Oh. Non, viens pas. Oh, pardon. Tu vois, ta corde. Oh. Mais. Faut la fausser. Oh merde, la petite bombe. Ah, alors. Ah! Oh! Eh ben, on l'a dans le cul! C'est ça. Merde! Ah, tu veux passer par là? Non. Non, je veux m'enfuir! Fuyons! Ah merde, il prend pas le coffre. Non, tu peux pas. Il est propre à ce niveau. De toute façon, il y aurait pas eu de clé ailleurs dans le monde, dans la mine. C'est juste ce tableau-là. Je crois que c'est le deuxième à chaque fois qui propose le coffre scellé et la clé. Et j'ai failli dire la bêtise de dire, mais pourquoi tu prends pas à l'achat la boussole? C'est pas comme si on l'avait déjà. Et là, on fait comment, chef? On fait ça. Oh merde. Ah, mais elle avait déjà été faite. Ah bah. Oh. Ah, celle-ci n'avait pas été faite. Fais gaffe. Oui, trop tard. Ah, il y a un cadeau. J'y vais. Je reprends le rocher. Alors les vilaines, elles nous envoient à qui? Elles envoient à toi. Ok, je te suis. Oula, la fosse aux araignées. Oulala. Non. Il est faux. Le garçon est faux. Allez dans la fosse. Un caillou? Ouais, vas-y. Un mentos? Non. Tiens. Oh, non, c'est dommage, oh, je... qu'il est dans la poche. On est dans la merde. Hop là, j'ai chopé un petit lingot avec l'araignée. Eh, mais il est mort. Non. Oui, eh ben. Voilà. Putain. Fallait qu'elle sorte à ce moment-là. Faut que tu passes en courant. De toute façon, c'est mort. Mais c'est la mort qui t'a assassiné, Mathias, dans ta face. Ah oui, on a plus de bombe. Ah oui, c'est pour ça que t'allais là. Je suis un crétin. Bah oui. Pas bien. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Oui. Ah. Non. Cours, voilà, dommage. Voilà, j'ai très bien couru, voilà. Vers la mort. Elle me croque le cul. Ah bah, tu vois? Et... Ouais, bon. Je vais m'arrêter là, parce que je dois aller manger. Ouais, bon app, merci, moi aussi je m'arrête. C'était génial, ça m'a retourné le cerveau. C'était sans sas. Merci de la proposition et d'avoir joué, petit Seb, c'est génial. Bah, je t'en prie, hein. Bonne chance pour Pico Park cet après-midi. Oui, merci. Oui, tu seras pas avec nous. Parce que je crois que tu l'as, non? Je verrai. Peut-être que je pourrais. Comme tu veux. T'es le bienvenu, hein, tu le sais. Ouais. De toute façon, je verrai. Parce que, comme tu disais, on est une idée d'avoir le jeu et je vous cavite. Ouais, on verra. Bon, je pense qu'il y aura une place qui se libérera. Voilà. Alors, attends. Moi, par contre, je vois que j'ai même saboté mon interface OBS. J'ai eu un clic malheureux. Quand ça veut pas, ça veut pas. Voilà, me revoilà. Oui, vas-y, je te laisse, vas-y,
C'est pas du qui. Non, c'est que j'ai un écran tout noir du coup, vu que t'as fermé ta fenêtre. Mais c'est pas grave. Tu veux que je casse le truc? Attends. Non, de toute façon, c'est trop tard. Hop. T'as pris le contrôle, ça va? Oui, non, mais j'envoie le règle direct. Bon appétit à tous, bonne année, bonne santé, plein de malheur, de bonheur, de jeu, tout ça, et puis... Attends, voilà. Je commence avec un souci de tuyauterie au matin du premier jour de l'an, là, c'est... Non, merci. C'est... Pas de bol. Ok, merci. Je vais envoyer, c'est réglé. Bon appétit de sage. Bisous. On s'est bien marré. Ouais, c'était cool. Ouais, il va y avoir l'alerte de concernant petit Seb, merci. Tiens, c'est rigolo, on peut regarder dans mon contrôle, vous le voyez. La petite notification Wisebot. Qu'est-ce que je fais? Je fais un début d'intro de... Oh, il est 13h. Je peux peut-être faire moitié-moitié, c'est-à-dire que... De toute façon, moi je mange pas, hein. Je mange mes croque-monsieur, là, ça me va très bien. Donc je vais manger en une demi-heure, je pense. Ce que je vais faire... Pour pas trop vous saouler, je vais commencer mon récit de bilan de chaîne. Vous voyez, j'ai un truc... D'ailleurs, au lieu de voir ma tronche, vous allez voir... Tiens, on va faire peut-être un mode spécial. Promenade. Attends, la webcam, je l'avais désactivée. Vous me voyez en bas, et vous pouvez lire le texte avec moi. C'est pas mal. Donc, il faut que je regarde le chat, il faut que je gère ma... C'est pas la bonne rubrique. Bon up tout le monde. Je vais commencer un peu à lire mon rapport de bilan de chaîne. OBS. Il faut que je dise que je suis en just chatting. Voilà.